Bonjour à tous. Il est 9h30 pile, donc je vous propose qu'on attaque pour respecter le timing. Bienvenue pour ces 5e rencontres utilisateurs QGIS. Bienvenue aussi à Agropolis, qui est le deuxième cœur battant de la recherche agronomique à Montpellier, le premier étant un campus que je pense la plupart d'entre vous connaissent, le campus de Montpellier Supagro et de l'INRA proche des Arceaux. Je m'appelle Léo Pichon, je travaille à Montpellier Supagro et je suis responsable d'une chaire d'entreprise qui s'appelle la chaire agrotique. Et j'ai l'honneur d'organiser depuis 4 ans maintenant, donc pour la 5e année, les rencontres utilisateurs de QGIS à Montpellier avec l'OSGOFR, qui est l'association des utilisateurs de logiciels libres sur l'information géographique. Jean-Marie Arsac nous en touchera certainement deux mots sur la première présentation de la journée. Avant de commencer, je voulais juste vous dire un petit mot sur pourquoi Montpellier Supagro investit de l'énergie dans les rencontres utilisateurs QGIS comme celle d'aujourd'hui. À Montpellier Supagro, nous, notre métier, c'est de former des ingénieurs agronomes et de leur donner les outils qui leur permettent d'exercer leur métier. Et que ce soit en agriculture, en environnement ou dans tous les métiers que peuvent exercer les ingénieurs agronomes, l'information géographique a un rôle très important et la manipulation de cette information géographique a aussi également un rôle important. Et donc ça fait maintenant, alors je me prononcerai pas sur la date, il y en a qui ont un historique plus grand que moi dans la salle, mais ça fait maintenant plus de 10 ans, 15 ans qu'on forme nos étudiants sur des logiciels de SIG, du système d'information géographique. Et depuis maintenant, entre 5 et 7 ans, je dirais, on commence à les former sur QGIS. Alors historiquement, en fait, on formait nos étudiants sur QGIS parce que c'était un outil qui était libre, mais aussi et surtout peut-être parce que c'était un outil qui était gratuit et qui leur permettait finalement d'avoir un outil qu'ils pouvaient utiliser n'importe où, quel que soit le contexte dans lequel ils allaient travailler, que ce soit dans une petite association ou dans un grand groupe. Aujourd'hui, on continue de former nos étudiants sur QGIS. Nicolas Deveau, d'ailleurs, qui introduira l'après-midi, présentera ça en détail. Mais la raison pour laquelle on les forme aujourd'hui à QGIS, c'est plus parce que c'est pas seulement parce que c'est un outil libre, un outil gratuit, mais aussi parce que c'est un outil que toutes les entreprises qui embauchent nos étudiants agrotiques utilisent, et que c'est ça les compétences qu'ils attendent de nos étudiants agrotiques. Et je pense qu'il y a un vrai changement qu'on a vu nous là sur les 4 dernières années sur l'organisation de ces rencontres QGIS, c'est la montée en puissance de QGIS. Et je pense que le nombre de participants présents aujourd'hui témoigne également de cette montée en puissance. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on est très heureux à Montpellier Supagro d'organiser avec l'OSGOFR ces cinquièmes rencontres utilisateurs QGIS. La journée va se dérouler en deux temps. Le matin, ce sera plutôt une présentation par des gens qui sont des contributeurs de QGIS, plutôt des développeurs, ou en tout cas des personnes qui contribuent à fabriquer cet outil qu'est QGIS. La matinée sera clôturée par des étudiants de la formation agrotique qui sont dans un cadre pédagogique actuellement en train de se former sur le logiciel QGIS, qui ont exploré les nouveautés de la version 3 et qui viendront nous les présenteront en fin de matinée. Et puis cet après-midi, ce sera plutôt des utilisateurs dans différents métiers qui utilisent QGIS dans leur métier au quotidien et qui viendront nous présenter comment ils s'en servent et ce que ça leur apporte dans leur métier. Voilà, je voulais juste peut-être terminer cette petite prise de parole introductive en remerciant nos différents partenaires. Donc je l'ai dit, hein, Montpellier Supagro, l'OSGOFR, et puis WebGeo Datavor, Camp2Camp et Trois-Lys qui sont les mécènes de cet événement. Voilà, je vous passerai encore quelques messages dans la journée. C'est moi qui vais tenir le micro, qui vais essayer de tenir le timing dans la journée. Donc j'appelle Jean-Marie Arsac pour la première présentation de la journée. Merci Léo. Bonjour, donc je suis Jean-Marie Arsac, je suis gérant d'Azimut, qui est une société qui fait le développement dans le domaine de Géo et DAO, aussi bien sur MicroStation que sur QGIS et PostGIS, PostgreSQL. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de la fondation OSGEO pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une fondation internationale qui est chargée de promouvoir les solutions libres, aussi bien logicielles que données, dans le domaine du géospatial. Donc l'OSGOFR, c'est le chapitre francophone qui est devenu plutôt uniquement français aujourd'hui. Et donc on fait la promotion des solutions libres
On était récemment au Paris Open Source Summit pour justement présenter notre action. Et on participe à l'organisation de ces journées de rencontres d'utilisateurs QGIS. Et on organise en principe au mois de mai, en principe du 15 au 17 mai, à l'ENSG, trois journées de conférences qui s'appellent le Phosphore GFR. Donc une journée d'atelier sur les logiciels libres et deux journées de conférences qui vous permettent de vous tenir à jour en fait de toutes les évolutions et tous les nouveaux projets qui peuvent sortir. Donc la Fondation OSGO fonctionne avec un système d'incubation de projets et de soutien. Et une fois que les projets ont suffisamment démarré, en général, ils volent de leurs propres ailes, comme le projet QGIS. Donc je vais vous parler un peu plus des nouveautés de QGIS 3. Je vais vous en parler de manière assez générale, puisqu'il y a des présentations un peu plus détaillées ensuite. Donc la version 3, c'est une version de rupture, puisqu'il y a un changement de version à la fois de Python et de la bibliothèque Qt, qui est la bibliothèque qui assure toutes les fonctions élémentaires de l'outil. Et donc ça entraîne une nouvelle API. Donc on a un passage de Python 2 à Python 3 qui a été motivé par l'obsolescence de Python 2 qui n'est plus supporté par nombre de plateformes Linux, qui n'a plus eu de nouvelles fonctionnalités depuis 2010. Donc la version actuellement utilisée en QGIS 2.18, c'est la 2.7.5. Au niveau de Python 3, donc il y a des améliorations dans la bibliothèque standard et des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est la 3.6 qui est utilisée. Le passage à Qt 5, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire que la bibliothèque Qt 4 n'était plus supportée par certaines plateformes. C'est de toute façon une bibliothèque qui est en fin de vie. Elle pose des problèmes sur Mac et sur des plateformes Linux comme Debian, Ubuntu. Donc l'apport de la version 5, ça améliore donc le support des écrans macOS, des écrans Retina. Ça offre des nouvelles fonctionnalités pour le support des mobiles, donc pour la création d'applications mobiles. Il y a des nouveaux composants d'interface graphique, il y a de nouvelles bibliothèques 3D. Alors, la question se pose toujours pour des développeurs de faire une rupture dans la compatibilité, donc de casser l'API, qui est, autrement dit, l'interface de programmation d'application. Et notamment, cette API est utilisée pour le développement du noyau du logiciel, mais également pour toutes les extensions, pour tous les plugins. Donc là, comme il y avait pas mal de ruptures au niveau des bibliothèques, aussi bien Python que Qt, il a été décidé de rompre cette compatibilité. Donc il y a une nouvelle API, ce qui a permis de faire du nettoyage de code, d'assurer une meilleure cohérence entre les différents modules. Et ça entraîne aussi une mise à jour et un complément de la documentation de cette API. Donc je vous ai mis le lien sur l'API QGIS. Par contre, ça a une conséquence, c'est que toutes les extensions, tous les plugins doivent être revus pour assurer un portage. Et actuellement, je crois qu'il y a à peu près 10% des plugins qui sont compatibles avec la nouvelle API. Au niveau de la gestion des versions, donc tout le monde se demande quand est-ce que la 3 va sortir, enfin. Donc la sortie a été repoussée plusieurs fois pour permettre l'intégration de fonctionnalités qui étaient considérées comme essentielles et qu'on ne pouvait pas garder absentes si on sortait une version avec tant de changements. Donc il y a encore des discussions sur la sortie de l'A3.
Il y a un nouveau vote qui a été lancé auprès des développeurs pour savoir si la sortie était possible ou pas. Donc la date est toujours indéterminée. Je pense que sans trop s'avancer, on peut penser que courant janvier, ça sera bon. Donc la version supportée à long terme, la LTR, Long Time Release, actuelle est la 2.14. Le jour où la version 3 sortira, la version supportée à long terme sera la 2.18, qui est la version certainement couramment utilisée aujourd'hui. Et cette version 2.18 restera LTR jusqu'à la sortie de la version QGIS 3.2. Donc pour en savoir plus, je vous invite à consulter la roadmap, qui est tout en anglais, évidemment. Alors, ensuite, on va voir rapidement quelques nouveautés, sans trop s'étendre, puisque vous avez ensuite trois présentations qui vont, plus la présentation des étudiants, qui vont détailler ces nouveautés. Donc au niveau de l'interface utilisateur, il y a des changements pour améliorer la cohérence de l'interface. Donc il y avait des différences de terminologie, enfin plus que terminologie, de réglage. Dans certains modules, on utilisait une notion de transparence et dans d'autres, une notion d'opacité. Donc tout a été homogénéisé pour qu'on considère uniquement l'opacité, donc avec une valeur de 100% par défaut. Vous avez des possibilités d'affichage multivue, des vues 3D, la possibilité de faire clignoter l'objet sélectionné pour le localiser plus facilement. Et il y a, de manière générale, une consolidation de l'interface. Donc, par exemple, vous avez ici un champ de recherche dans les boîtes de dialogue de propriété qui vous permettent de trouver facilement un item donné quand vous cherchez un réglage. Au niveau de l'interface utilisateur, toujours, vous avez le listage des relations et des tables du projet dans l'éditeur d'expression. Vous avez de nouveaux critères dans la recherche multi-attributs, commence par et finit par. Vous avez une barre de recherche unifiée qui vous permet de retrouver facilement une couche, par exemple. Et vous avez une possibilité de personnaliser l'interface de manière différenciée par profil utilisateur. Au niveau de l'enregistrement d'une carte en tant qu'image, vous pouvez maintenant spécifier l'emprise précise de l'image. Vous pouvez par exemple vous amuser à générer manuellement une mosaïque. Voilà un exemple de l'affichage multivue. Alors il y a encore pas mal de corrections à apporter parce que quand on fait des zooms ou quand on change l'affichage des couches dans une vue, enfin, la gestion n'est pas parfaite. Un petit exemple de vue 3D, mais je pense que vous verrez plus en détail ensuite. Au niveau des fonctionnalités, toutes les extensions dites core, c'est-à-dire qui étaient en C++, les plugins en C++ ont été supprimées, puisqu'ils posaient pas mal de problèmes au niveau de la maintenance et de l'évolution du code. Du point de vue des systèmes de coordonnées, la reprojection à la volée est maintenant activée par défaut. Et vous avez une nouvelle option sans projection, avec des coordonnées cartésiennes et sans unité. Vous avez de nouvelles fonctionnalités avec un iter de métadonnées. Il y a une faute, une typo là, c'est Dublin Core. Avec une intégration pour l'instant de GeoNode, GeoNode étant un CMS cartographique. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de support d'Inspire et de la norme ISO pour les métadonnées.
Au niveau de tout ce qui est affichage et impression, il y a une réécriture complète du composeur d'impression qui s'appelle désormais, enfin qui s'appellera désormais gestionnaire de mise en page en français, et ce qui entraîne une nouvelle API. Donc tous les plugins qui s'appuyaient sur le composeur d'impression devront être mis à jour. Il y a de nouveaux symboles et de nouveaux algorithmes également. Donc les symboles, il y a de nouveaux symboles qui sont regroupés par catégorie maintenant. Alors parmi les nouveaux algorithmes, vous avez un nouvel algorithme de coloriage qui permet de colorier automatiquement une série de polygones sans que deux polygones adjacents aient la même couleur. Au niveau des traitements, la reprojection est automatique lorsqu'elle est nécessaire maintenant. Et pour le reste, je transmets à Yves la présentation de tous les détails de traitement. Au niveau des interactions avec la base de données, il y a la possibilité de déclencher des événements QGIS depuis PostgreSQL. Donc Régis vous présentera ça en détail. Il y a un meilleur groupage des transactions, ce qui permet de faire des undo, redo, des annulés, refaire directement dans la BD. Il y a une amélioration aussi de l'étiquetage. Jusqu'à présent, quand vous aviez un étiquetage sur, vous génériez un étiquetage sur une couche qui est en lecture seule, vous perdiez votre étiquetage quand vous fermiez la session. Il y a maintenant la possibilité de sauvegarder les paramètres, c'est-à-dire les positions et les rotations des étiquettes dans une base donnée SQLite qui est associée au projet et qui éventuellement peut être sauvegardée en un seul fichier zippé avec le fichier du projet. Au niveau de l'édition, il y a maintenant du glisser-déposer et la possibilité de s'accrocher en priorité sur la couche active. Donc là, il y a une petite animation qui vous montre. Donc vous pouvez faire un glisser-déposer sur un nœud, et quand vous survolez un segment, il vous suggère le nœud à insérer éventuellement. Voilà. Donc pour aller plus loin, je vous invite à contribuer. Donc il y a plusieurs manières de contribuer. Vous pouvez déjà tester les nouvelles versions. Vous pouvez contribuer à la documentation utilisateur qui pour la version 3 est largement à compléter puisqu'il y a tellement de nouvelles fonctionnalités qu'il y a beaucoup de choses à documenter. Et bien sûr, éventuellement, vous pouvez proposer un soutien financier, soit via l'OSGRO, soit directement sur le projet QGIS. Je vous ai mis les URL des listes de diffusion qui concernent QGIS au niveau francophone. Donc vous avez la liste francophone de l'OSGO, la liste du groupe d'utilisateurs QGIS français, et enfin le site de l'OSGO.fr. Voilà, j'ai terminé, si vous avez des questions. Merci Jean-Marie. On a une petite dizaine de minutes pour échanger pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'attaque avec la première. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se détermine le contenu de la version 3, par exemple? Quelle est la gouvernance? Qui décide des nouveautés qui seront incluses dans la 3 ou pas, ou dans les différentes versions? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Alors, il y a un comité de développeurs et qui pilote le projet. Et il y a un système de... Donc, il y a des... Dans le gestionnaire de tickets de bugs, on peut également faire des soumissions de demandes d'évolution. Et il y a un protocole de CEP, de QGIS Enhancement Proposal, qui permet de solliciter une évolution. Et ensuite, d'une part, les développeurs choisissent s'ils considèrent que c'est important de le faire. Et ensuite, il faut trouver également un financement pour ces fonctionnalités.
Donc, voilà. Est-ce que ça répond à, oui, très à ta bien. Question ça me suscite une deuxième question qui est comment sont financés, justement, quelles sont les modalités de financement de nouvelles fonctionnalités? Soit des organismes, soit des entreprises décident qu'une fonctionnalité est essentielle et proposent soit de contribuer, soit de financer totalement une fonctionnalité. Peut-être que Régis, tu as un exemple de... Oui, on m'entend. Oui, ok. Finalement, financer de la fonctionnalité, c'est pas trop le facteur limitant. On trouve toujours des gens qui ont envie de nouvelles choses. Bien sexy là dans l'interface, c'est facile. Ce qui est difficile dans une transition de version comme ça, c'est de financer toutes les tâches de fond. Financer l'augmentation de la qualité, l'augmentation des tests unitaires, la simple reprise de code pour changer la version de Python, les outils de migration de version de données, c'est pas des choses qui attirent les financeurs tant que ça. Donc pour l'instant, ça passe beaucoup par l'association QGIS.org qui récupère à peu près 100 000 euros de budget annuel depuis... On va passer le cap là dans les jours qui viennent, juste par vos dons qui passent par la plateforme QGIS.org. Et donc des sponsorings aussi. On a très peu en France, il faudrait qu'on avance un peu sur ce point-là. Et ça permet de financer les entreprises pour les tâches de fond. Et ça, c'est important. Ça peut, les tâches de fond, ça peut être aussi de la correction de bugs ou de la documentation. Je vois que sur ta dernière diapo, tu fais un appel, contribuer au test, à la documentation utilisateur. Je voulais savoir concrètement comment c'est organisé, comment on peut effectivement contribuer, comment on peut faire... voilà. Alors... Tout se passe par Internet. Donc au niveau des tests, bon, c'est facile, hein, il suffit de télécharger le logiciel, de l'utiliser, et ensuite d'aller sur la plateforme de gestion de bugs ou de remarques qui doit être issue.qgis.org, il me semble. Issue au pluriel, qgis.qgis.org. Et pour la documentation, il y a également une plateforme, donc je crois que je l'ai. Il y a deux choses pour la documentation. Il y a le complément, la constitution, parce que sur la version 3, il y a encore beaucoup de travail, donc en anglais. Et ensuite, il y a la traduction. Et donc là, on utilise une plateforme qui s'appelle Transifex, qui permet de traduire aussi bien le logiciel que la documentation. J'ai pas les liens là sous la main. Et il y a aussi des événements où on se rencontre physiquement et socialement aussi, qui s'appellent soit des hackfests, soit des developer meetings. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en France. Ça serait une bonne idée pour Il y a eu un code sprint l'année dernière. Comment? Il y a eu un code sprint de QGIS Server l'année dernière. C'était vraiment très réduit aux développeurs. Dans les hackfests, c'était aussi ouvert aux utilisateurs qui ont envie de faire de la documentation, ou travailler sur les processus de gestion du projet, des choses dont on n'est pas trop informaticien. Ça peut être d'autres façons d'aborder la contribution. Ça, je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, qu'on peut contribuer au projet QGIS, même si... Sans être développeur. Même si on n'est pas développeur, oui. Ouais. Nicolas? Bonjour. Du coup, je rebondis encore sur la question de Bruno, là, pour la phase test, etc. C'est vrai que nous, on a des étudiants, donc ça peut être aussi des utilisateurs bêta, mais est-ce que sur la plateforme, au-delà de télécharger la version bêta qui est à disposition, est-ce que vous avez identifié des éléments spécifiques à tester avec des jeux de données, ou est-ce que c'est juste l'usage classique qui permettra ou qui nous permettra de faire remonter des bugs? Non, alors, vous avez hiérarchisé un peu les priorités des retours attendus, en fait. Au niveau du développement, il y a des batteries de tests qui sont déjà effectuées systématiquement. Mais par contre, ce qui manque, c'est des tests d'utilisation courante. Quoi, voilà. Ok. Oui, j'avais une question sur l'exemple que tu nous as présenté sur le composer. Oui. Donc ça, c'est financé via ce que tu nous as présenté. Mais dans ce que tu as dit, c'est qu'il pouvait y avoir des conséquences sur les plugins
qui s'appuie sur le composer. Et dans ce cas-là, comment ça se passe si moi, par exemple, je suis développeur d'un plugin qui s'appuie sur le composer, il y a la nouvelle version de QGIS qui sort, avec le changement de composer. Tu dois mettre à jour, donc faire un portage de ton plugin sur la version 3. Ok, donc ça. Mais c'est... tu peux commencer à le faire avant que la version soit sortie, enfin soit publiée. Et est-ce que tu... Oui. Oui, ce qui est pas bloqué pour l'instant, c'est le gel des fonctionnalités. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a toujours de l'ajout de fonctionnalités. Et notamment le vote qui a été lancé, tu m'as dit hier soir. Ouais, et pour décider du gel de fonctionnalités. Et ensuite, donc c'est ce que disait René Luc, il y a un mois entre le gel de fonctionnalités et la publication de la version. Mais en général, les développeurs de plugins commencent à mettre à jour bien avant ce gel de fonctionnalités. Et là, est-ce que sur l'historique des nouvelles versions qui sont sorties, est-ce que vous avez un retour justement sur le pourcentage de plugins qui plantent d'un point de vue utilisateur hein, quand on a Moi, j'en ai pas. Le... 100%. C'est une rupture. C'est bien pour ça que c'est QGIS 2 vers 3. C'est une rupture complète de l'API. Après, moi, j'ai porté le seul plugin que j'ai fait un jour en avril. Il fonctionne toujours, donc il n'y a pas eu de nouvelle rupture de l'API sur les morceaux de code qu'il utilise. Et on a, voilà, ça m'a pris 3 heures, n'étant pas développeur. Donc c'est juste le temps de lire la page de tout ce qui a disparu et remplacé par quoi. Il y a un outil de migration quasi automatique qui fait tous les changements Python 2 vers 3 et un certain nombre de classes à remplacer automatiquement. Et puis il y a le fignolage à la main. Et ça va plutôt dans le sens de meilleure écriture de code et interdire les mauvaises pratiques. Oui. J'avais juste peut-être un ajout à faire. C'est aussi l'occasion de voir disparaître tous ces plugins qui sont là, que personne n'utilise ou que des gens utilisent alors que la fonctionnalité est dans QGIS depuis 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui ont développé ça parce qu'il y avait du temps à un moment et ensuite professionnellement ou en tout cas ils n'avaient plus de temps pour le maintenir. Et du coup, quand on est passé de la 1.8 à la 2, il y a beaucoup de plugins qui ont disparu, beaucoup de gens qui étaient un peu orphelins de ces plugins. Et quand ils nous contactaient, on leur disait « Mais oui, mais ça, vous pouvez le faire maintenant nativement, comme ci ou comme ça. » Donc ce sera dommage. Il y aura peut-être un ou deux plugins très intéressants pour une personne qui vont disparaître. Mais on est assez confiant dans le sens où quand il y a le besoin, souvent il y aura le travail qui sera fait. Et les plugins obsolètes sont maintenant remplacés par des fonctionnalités. Ça pose quand même un souci, c'est vrai, mais comme toujours dans le financement de logiciels libres ou de ce genre de choses, c'est que souvent en tant que collectivité ou que particulier ou qu'entreprise, j'ai financé un plugin. J'ai pas forcément pensé à financer la maintenance de ce plugin pendant 2 ans ou pour telle et telle version. Et du coup, mais par exemple le ministère ou certaines collectivités qui ont vraiment les moyens peuvent peut-être aussi intégrer ces coûts dans leur travail, enfin au quotidien avec les personnes qui font du QGIS. Léo, il y avait quelqu'un en... Oui. Dernière question. Ah bon, allez-y. Ok. Donc Philippe Clastre, INRA Avignon. Je voulais vous interroger sur deux aspects. La partie compatibilité des ascendantes de la lecture des projets, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une évolution dans la structure même du QGIS. On voit un QGIS apparaître là. Donc je voulais savoir si QGIS 3 saurait lire nos anciens projets. Et sur la question des plugins, je me rappelle avoir évoqué cette question il y a 2 ans, je n'avais pas pu venir l'année dernière, mais sur la crainte de s'éloigner de la communauté si beaucoup de plugins disparaissent. Là, j'entends qu'il y a 10% en gros des plugins qui vont pouvoir subsister dans le nouvel environnement. Non, il y en a 10% qui sont déjà opérationnels. Qui sont déjà opérationnels, oui, c'est ça. Donc les 90% autres ne fonctionneront plus, on les aura plus à disposition, donc ça revient à l'échange qui vient d'avoir lieu. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, en tant que communauté QGIS du libre, de vous couper d'une partie des utilisateurs parce qu'ils vont se dire, il n'y a plus nos plugins, on va aller ailleurs, quoi. Alors, déjà, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas portés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas encore portés qu'ils ne seront pas. Ensuite, comme l'a dit Michael, il y en a beaucoup qui sont inutiles parce que les fonctionnalités sont nativement dans QGIS maintenant. Et enfin, en général, s'ils sont plus maintenus, c'est qu'il n'y en a pas le besoin, quoi. Et rien n'empêche quelqu'un de reprendre le plugin et de le maintenir.
Un complément. Et juste pour la gouvernance, et puis par rapport au choix de décision, pourquoi on migre vers Python 3, etc. Il y a aussi un principe de réalité qui s'applique, c'est qu'on n'a pas peur que les plugins ne marchent plus, tout simplement parce que Python 2 est plus supporté, Qt5 est plus supporté. Et si on attend encore 2-3 ans, bah, il n'y a plus rien qui marchera. Donc on est obligé. Sinon, QGIS ne marchera plus sur vos prochaines distributions ou prochains OS. Et le principe de plugin, c'est justement qu'un individu puisse personnaliser pour son besoin propre, en le mettant à la disposition de la communauté. Mais donc, c'est, à mon avis, c'est pas le souci, c'est pas trop le souci du projet de maintenir les plugins. Il peut pas s'en charger. C'est pour ça d'ailleurs que les plugins C++ ont été virés. Parce que ça posait trop de problèmes de maintenance, comme ils étaient en relation trop étroite avec le corps. Et pour compléter, il y a quand même la 2.18 qui va être maintenue pendant un certain temps, ce qui laisse le temps aux développeurs de faire leur portage pour la prochaine LTR. Donc ceux qui ont vraiment besoin de rester sur la 2, ils auront encore 6 mois, 1 an pour faire le changement vers la 3. Et la LTR, pour l'instant, c'est toujours la 2.14. Hein. Et ça sera la 2.18 seulement quand la 3.0 sortira. Donc ça va. Okay. Peut-être, juste pour clôturer ce débat qui, je pense, est important aussi. Je pense que c'est important d'entendre les utilisateurs qui disent bah mince, on a peur de ce changement de version. Est-ce que vous pouvez juste répondre très rapidement sur quel conseil donner à un utilisateur qui a l'habitude d'utiliser, par exemple, la 2.14 ou la 2.18 et qui se retrouve dans son processus de production avec la version 3 qui ne fonctionne plus? Vers qui se tourner? Voilà, comment fonctionner, que faire dans ce cas-là? Mais je pense que ceux qui continuent à utiliser la 2.14, c'est qu'ils sont contraints par leur service informatique ou par des contraintes externes à eux à ne pas faire de mise à jour. Parce que le conseil, c'est de déjà mettre à jour au moins en 2.18. Quoi. Okay. Et vers qui me tourner si dans la version 3, le plugin que j'utilise au quotidien... Le développeur du plugin, en priorité. Ok, merci beaucoup Jean-Marie. Bravo. Merci. Je passe la parole à René-Luc Donte de la société 3Lise qui va nous parler des évolutions de QGIS Server dans cette version 3. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, René-Luc Donte, gérant de la société 3Lise, donc société qui a maintenant 10 ans, spécialisée dans les systèmes d'information géographique open source, et plus précisément sur QGIS, LiseMap, QGIS Server. On développe aussi quelques plugins pour QGIS, alors toujours sur la 2, pas encore portée. Donc, par exemple, le cadastre, outil qui permet d'intégrer les données EDIGEO Magic 3, et une exploitation avec fiches de relevé de propriété, QuickOSM qui avait été développé par un de nos stagiaires, et Layerboard, un outil de gestion de couches. Mais donc aujourd'hui, je vais vous parler de QGIS Server et QGIS 3, QGIS Server 3, en essayant de vous présenter les évolutions qu'on a apportées. Alors pour tout le monde, ce sera peut-être un peu abrupt. Donc, je vais commencer par illustrer mon propos à l'aide d'une petite blague. En fait, un serveur Carto, c'est un peu un aventurier. Au choix, quand on construit un groupe d'aventuriers pour partir à l'assaut d'un donjon, on a souvent besoin d'un ranger, d'un barbare, d'un ogre, d'une magicienne, d'un elfe, un voleur ou un nain. Le problème, c'est que un serveur Carto, ça reste un logiciel assez abscon, un peu brut. En gros, c'est juste de la force. Ça vous permet de faire des rendus, ça lit de la donnée géographique, et c'est à peu près tout. En plus, si on n'a pas un petit peu de savoir, on est incapable de discuter avec ou de l'utiliser. Ça reste un ogre. C'est gros, c'est lourd, mais ça porte et c'est capable de transporter un certain nombre d'informations. Et quand on a bien étudié le problème, on est capable de discuter avec. C'est très utile.
Alors, dans le cas de QGIS Server, le projet a été lancé en 2006 au sein de l'ETH de Zurich, dans le cadre d'un projet européen. L'idée était de tester la faisabilité d'un serveur Carto dans le cadre d'un projet qui s'appelait Sani et Orchestra. C'est un projet est mené par Marco Gentobler, qui jusqu'à peu était le principal développeur de QGIS Server. Et son idée, au début, il avait quand même regardé MapServer, mais il a préféré embarquer le moteur de QGIS pour pouvoir réutiliser toutes les fonctionnalités qu'on pouvait avoir dans le cœur. Mais le principe de faire un serveur, c'est de retirer toute la coquille utilisateur et essayer de ne conserver que la partie cœur, moteur, de rendu. Ce qui se traduit par ce genre de choses, vous utilisez votre QGIS en bureautique, vous faites votre carte, ça vous donne un projet. Vous transférez le projet sur un serveur avec toutes les données associées, en vérifiant que les chemins sont les mêmes ou en utilisant le relatif, en vérifiant qu'on utilise bien les mêmes noms de serveurs quand on utilise des bases de données. Et QGIS Server va vous rendre non pas une interface complète, mais juste l'image du rendu. C'est juste le cœur. Alors en termes de développement, QGIS Server jusqu'à la version 3, nous en étions à du WMS 1.3.0 et 1.1.1, du WFS, du WCS, en gros de l'image, du vectoriel ou du raster. Et on a changé son nom, parce qu'il y avait quelques... les gens confondaient avec l'autre projet open source qui s'appelle MapServer. Donc on a simplifié, on l'a appelé QGIS Server. Et pour discuter avec un logiciel de cartographie tel qu'un serveur Carto, en fait, on a besoin d'un autre logiciel. On a besoin de quelqu'un qui sache parler le même langage que ces logiciels-là. Donc en bureautique ou en librairie de développement, vous avez ArcGIS, puisque les langages utilisés par QGIS Server, c'est standard. GDAL, QGIS, OpenLayers, GVSIG. Et dans le cas de QGIS Server, puisqu'il propose des évolutions qui sont non standards, vous avez maintenant trois clients qui sont totalement liés à QGIS Server. Donc vous avez QGIS Web Client 2, j'ai pas trouvé un meilleur logo, LizMap et GIS Quick, qui est le dernier, à droite, qui émane d'un projet d'Europe centrale qui s'appelle GIS Lab. Et ces trois clients web, en fait, exploite intégralement des fonctionnalités qui ne sont pas dans les autres logiciels, comme la possibilité de faire de l'impression directement avec QGIS Server et des petites extensions souvent mal documentées dans QGIS Server. Enfin, QGIS Server, depuis la version 2.8 de QGIS, les numéros de version sont exactement les mêmes, on a la possibilité de rajouter des extensions dans QGIS Server, ce soit pour contrôler les paramètres qui rentrent dans QGIS Server, voire faire du filtrage, si vous avez besoin, lié à des authentifications, faire du filtrage de données, vous pouvez le faire avec une extension, et vous pouvez aussi rajouter des nouveaux standards via ce type de plugin. Par exemple, pour QGIS 2, on a développé un portage du processing, en fait on porte le module traitement directement sur serveur, ce qui permet de lancer des requêtes d'analyse et de traitement de données sur serveur. Alors, QGIS 3, l'objectif va dans le même sens que pour, QGIS Server, c'est-à-dire améliorer, renforcer le code de QGIS et proposer un logiciel encore plus robuste, encore plus performant. La performance, on l'a obtenue. Le problème, c'est que ça a un peu commencé par une mauvaise blague du type supprimer de manière récursive et complète le contenu du code source de QGIS Server. En gros, Mathias a lancé un défi au mainteneur de QGIS Server, c'est-à-dire on était trois, disant que si on ne faisait rien, la seule solution quand QGIS 3 sortirait, c'est de supprimer QGIS Server. C'est arrivé l'année dernière, la réaction a été un peu vive, et on s'est concerté entre développeurs, on a relancé et on a essayé de créer un groupe plus élargi pour la maintenance et la reprise de QGIS Server
dans le cadre de QGIS 3. Ça s'est traduit en décembre dernier à Lyon par une rencontre des développeurs de QGIS Server. On a posé les bases de ce qu'allait être la nouvelle version de QGIS Server et on a commencé à faire du code, exactement là, entre principalement trois entreprises françaises, Auslandia, Camp2Camp et Trois-Lys. Il y avait juste un étranger, Alessandro Pasotti, italien, qui est venu participer et qui depuis participe pas mal à QGIS Server. On va dire qu'on est maintenant 5 ou 6 à participer sérieusement au projet QGIS Server et à avoir implémenté les nouvelles fonctionnalités, voire améliorer simplement le code. Alors la première chose, c'était important, c'était historique, c'était supprimer du vieux code qui tournait toujours et qui en fait posait beaucoup de problèmes dans la maintenance du logiciel. Donc ça parlera pas forcément, mais ne plus dépendre d'une technologie qui s'appelle FastCGI pour ne plus dépendre de sa façon d'interpréter les requêtes et pour pouvoir faire de QGIS Server un vrai logiciel intégrable sur n'importe quel applicatif serveur. Et supprimer un code qui avait plus de 10 ans, qui lisait lui-même dans son coin les projets QGIS pour la partie serveur. Il n'y avait pas de lien en fait en termes de lecture de projet entre le bureautique et le serveur. On a aussi dû tout réécrire en termes de web service et de moteur de rendu pour coller à la nouvelle architecture décidée et coller surtout aux nouveaux outils de QGIS mis à disposition. On traînait encore des vieilles méthodes du début de la 2, donc pareil, qui avait 5-6 ans. Donc ça a été vraiment l'occasion de tout nettoyer. Résultat, pour un utilisateur lambda, ce travail-là, il s'est rien passé. Un QGIS Server 3 est juste revenu à ce qu'il devait être avec le nouveau QGIS. On en a quand même profité pour ajouter quelques améliorations. Le support du WFS 1.1.0, pas encore le 2, mais peut-être. Par Auslandia, l'ajout des tests de validation de l'OGC concernant la norme standard WMS 1.3.0. Donc on va pouvoir mettre un tampon sur QGIS 3, comme quoi on est bien compatible avec la norme de l'OGC concernant le web mapping service. Chez Camp2Camp, ils ont mis en place de manière automatique maintenant les tests de performance. Donc on compare QGIS Server 2, QGIS Server 3, Map Server et GeoServer sur des données OSM en base de données. Alors les tests doivent encore être un peu étoffés pour avoir une meilleure vision des problèmes de QGIS Server et aussi pour tester certaines fonctionnalités comme un petit bouton qui a été ajouté par Auslandia qui permet de dire au serveur que tout ce qu'il va lire dans le projet, il doit le croire. Il n'est pas obligé d'aller vérifier que la source de données a changé. Et enfin, grosse évolution pour les applicatifs. C'est vraiment un gros changement en termes d'API. Maintenant, on va pouvoir embarquer QGIS Server dans n'importe quel applicatif Python. Et de manière performante, efficace. C'est-à-dire que l'on n'est plus obligé de prendre son QGIS Server comme il est packagé avec un serveur Apache. On peut l'embarquer dans n'importe quel logiciel Python comme Django, Tornado pour ceux qui font du serveur, des queues de traitement avec RabbitMQ, des choses en fait qui sont modernes en termes d'architecture serveur. Et très peu, alors là vraiment très peu d'améliorations ou d'ajouts de fonctionnalités pour les clients. Il y en a une que je viens de valider, c'est la possibilité d'utiliser des filtres OGC, donc standard dans les requêtes WMS, et la possibilité d'imprimer des couches WMS qui ne seraient pas décrites dans un projet. Dernier avantage, mais c'est vraiment pour les devs, de l'utilisation d'applications Python, on va pouvoir créer des projets dynamiques que l'on va pouvoir faire manger à un serveur Carto. Donc on va pouvoir avoir du code, des choses qui vont pouvoir correspondre exactement à l'utilisateur qu'on a en face de la requête. En gros, même si ça se voit pas vraiment, parce que ça reste sur un truc qui tourne sur serveur, on a un logiciel qui est plus costaud, plus résistant, plus performant, qui s'intègre beaucoup mieux et qu'on va pouvoir exploiter
de façon beaucoup plus performante dans des architectures modernes. Maintenant, la suite, puisque 3.0, c'est pour dans bientôt, et qu'on normalement on n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités, mais QGIS Server 3 maintenant est là et restera là, on va pouvoir améliorer la normalisation des normes de l'OGC avec peut-être des tests WFS, WCS, ajouter peut-être des interpréteurs pour des standards comme le Web Map Tile Service, en gros un système de tuilage par pyramide d'images et de stockage en cache. Alors QGIS Server ne fera jamais de cache, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est juste de prendre un bout de requête et vous sortir une image, vous sortir une interprétation par rapport aux données qu'il a en référence. Pour faire de l'inspire, peut-être développer le WFS 2. En tant que j'ai fait le 1.1, on va peut-être pouvoir passer au 2. Double Joint Service. Et pour tous ceux qui se posent la question de la 3D sur le web, peut-être pouvoir ajouter à QGIS Server des outils d'export de données au format 3D à étudier. Parce qu'apparemment, les standards sont assez variés, les solutions sont elles-mêmes différentes. Il n'y a pas forcément de consensus sur la bonne solution. Merci de votre attention. Joyeux Noël. Et Philippe pour vos questions. Merci René-Luc. Il n'y a qu'un porteur. Hein. Moi, j'avais juste une toute petite question, oui. En fait. C'est pour savoir, tous nos projets QGS, est-ce qu'ils vont être compatibles, en fait, avec QGIS et QGIS Server? Ou est-ce qu'on aura des traitements à faire ou des modifications pour assurer leur compatibilité, en fait? Là, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop ce qui est prévu. Normalement, ils essayaient toujours de voir une rétrocompatibilité, enfin, une compatibilité montante. On va prendre. Je pense qu'un projet 2.18 devrait pouvoir être compatible au moins en 3. Histoire de pouvoir faire la transition, c'est ça? C'est ça. Donc tout projet de 2.18 devra pouvoir être lu par QGIS 3. Donc on ne devrait pas faire trop de pertes. Mais attention, c'est ascendante uniquement. Hein. Autant on avait tendance dans la QGIS 2 à prendre un projet QGIS 2.18, à le relier en 2.14 et puis ça passait à peu près. Là, c'est strictement plus possible. Mais il y a des outils d'automigration. Il y aura forcément des petites choses à retoucher. Il y a eu des améliorations, des corrections d'erreurs un peu ancestrales. Donc j'ai un seul conseil qui est important. Avant d'ouvrir votre projet dans la 3, faites une sauvegarde de ce projet, vous le renommez. Après, vous l'ouvrez dans la 3, vous pouvez l'enregistrer, parce que si vous, voilà, une fois que c'est enregistré, le projet il est enregistré. Donc faites bien une sauvegarde. Ça coûte rien de le faire, mais ça rapporte beaucoup. Un projet n'est qu'un fichier texte. Hein. Vous pouvez le dupliquer, c'est léger. Oui, une question encore sur le. J'ai dû décrocher au mauvais moment, mais j'ai pas compris quand tu. Moi, quand je vois QGIS Server et QGIS, je me dis, comme tu dis, QGIS Server, c'est un moteur de rendu. Son boulot, c'est de prendre du QGIS et puis de restituer une image, un PNG, un JPEG, n'importe quoi. Est-ce que le cœur opérationnel de QGIS Server, c'est le bout de QGIS sans l'interface, vraiment, ou c'est des codes complètement disjoints? C'est surtout sur la 3, c'est encore plus que du code cœur de QGIS. C'est exactement la même chose. On s'est encore plus collé dessus. Et la menace, c'était aussi ça. C'est que quand Marco a lancé QGIS Server, il a recodé des trucs parce qu'à l'époque, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que on était obligé de rajouter du code pour lire un projet QGIS, puisque la façon dont QGIS bureautique avait été codé pour lire un projet ne nous permettait pas d'être compatible avec un serveur. Donc ça a aussi forcé les développeurs de la partie bureautique de repenser des bouts de code pour que ça reste compatible avec le serveur. Parce que, comme l'a dit Marco quand il a lancé le projet, ça reste aussi un bon moyen pour QGIS bureautique de s'améliorer, puisqu'on a une autre façon de l'utiliser. Et on le met dans d'autres contraintes. Et avec d'autres contraintes, on teste les limites du logiciel. Une autre question ? Moi, j'ai... Oui. Bonjour, Nicolas Marou, IRCA. C'est un peu annexe à QGIS Server, tu en as parlé au début de ta présentation, c'est par rapport au plugin QuickOSM que vous avez développé. Je voulais savoir s'il allait être porté sur QGIS 3. Je sais pas. Je sais pas si le mainteneur aura le temps de le développer ou de le maintenir, et s'il est vraiment tant utilisé que ça.
On n'a pas de retour d'utilisateur. Ah ouais, d'accord. On a très très peu de retours utilisateurs, donc on ne sait pas. On a très peu de retours de bugs non aussi, donc on ne sait pas trop. Ouais. D'accord. Mais il n'est pas compatible avec QGIS 3. Je n'ai pas testé. Bon, d'accord. C'est... Donc je ne pense pas. Je voulais revenir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure, disant que c'était dur de financer, en gros, ce qui ne se voyait pas, le cœur de QGIS, etc. Et ce que tu nous as dit, c'est que dans la nouvelle version de QGIS Server, c'était principalement des fonctionnalités de cœur, qui simplement une ISO fonctionnel. Comment vous avez financé du coup ces développements-là ? Sur fonds propres et, enfin, pour mon cas, sur fonds propres et en partie QGIS.org. Dans le cas de Auslandia, je crois qu'ils ont eu des fonds d'un client pour les tests OGC. Et pour Camp2Camp, c'est sur fonds propres. Donc c'est parce qu'on en a besoin et qu'on considère que c'est un logiciel sur lequel on. Enfin, moi, pour perso, c'est mon métier, quoi. Donc il faut qu'il avance. Ok, donc c'est en majorité les sociétés qui développent des outils basés sur QGIS Server qui ont pris sur elles de faire ces développements. C'est ça. Ok. En bonne partie. Il y a besoin effectivement, on ne peut pas tout assumer sur nos propres budgets R&D, mais donc nous pour les citer, c'est Orange qui a toute son infrastructure de gestion de son SIG sous QGIS Server. Et donc, faut pas avoir l'impression que c'est quelque chose avec que des trolls amateurs. Hein, il y a aussi des trolls en production qui font des belles choses avec QGIS Server. C'est un monde serveur, on a moyen de compenser les déficiences du logiciel par d'autres approches. On a eu également quand même encore le soutien de QGIS.org par le biais des grant applications. Donc, c'est des appels à projets pour faire émerger des choses. On a candidaté pour dire qu'on voudrait porter les tests OGC parce qu'on était à court de budget et faire des plateformes de tests automatisés pour que la compatibilité soit testée en permanence et qu'on revienne surtout plus jamais en arrière. Voilà, donc on est sur des financements mixtes et on essaye de pousser des feuilles de route grâce à l'association et au comité de pilotage QGIS, le PSC, pousser une feuille de route et faire que ça soit pas que de l'évolution totalement naturelle et anarchique. Mais ça en est beaucoup aussi. Merci. Il y avait une question. Oui, Julien Moura, ISOGEO. Une question par rapport aux extensions. Effectivement, depuis la 2.8, il était possible de faire des extensions Python sur la partie serveur. C'est resté quelque chose d'assez confidentiel. Comment sur la 3, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, par exemple, pour faire basculer des plugins? Est-ce qu'il sera possible de faire des plugins desktop qui pourraient servir pour le web et de les basculer facilement? Alors, déjà sur la 2, c'était assez facile, mais de les basculer. Si. J'avais pas Quick OSM, je m'étais amusé à le basculer sur serveur. On a gardé l'API. Donc tout ce qui était fait sur la version 2 en termes d'API fonctionnera, il faudra le porter sur 3 quand même. On a un moment hésité à supprimer cette fonctionnalité, enfin l'organisation est tout cassée et au final on s'est aperçu que c'était quand même bien pensé dès le départ, donc on l'a gardé. Et y a la possibilité maintenant c'est d'ajouter des vrais services en format Python et de charger en format Python directement. J'ai pas encore très bien compris le code, mais ça marche. Il y a un exemple dans les tests, parce que c'est testé. Merci. De rien. Et bravo. Je passe la parole à Yves Jacolin de la société Camp2Camp, pardon, qui va nous présenter les outils de traitement et le passage de la version 2 à cette nouvelle version 3. Merci. Alors, bonjour, donc je m'appelle Yves Jacolin, je travaille pour la société Camp2Camp. Camp2Camp se positionne comme éditeur, comme Auslandia 3Lies. Auslandia 3Lies, voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Voilà, on en contribue aussi au niveau du code et des plugins. Donc, voilà, j'ai une position aussi un petit peu hors Camp2Camp, parce qu'en fait je suis aussi le responsable de la documentation en anglais de QGIS. Donc si vous cherchez comment contribuer, pour rebondir un peu sur les questions de tout à l'heure, vous pouvez me contacter et puis je me ferai un plaisir de vous montrer comment on peut contribuer à la documentation en anglais. On recherche vraiment des personnes pour
pour nous aider. Il y a eu énormément de travaux, comme vous avez pu le voir et comme vous le verrez encore aujourd'hui. Et on a besoin de main-d'œuvre, j'ai envie de dire, de contributions pour documenter tout ça. Donc je vais vous parler de toute la partie processing. Donc pour vous expliquer, en fait, avant c'était un plugin qu'on installait, c'était un plugin core qui vous permettait de traiter de la donnée, de gérer de la donnée et surtout d'industrialiser et d'automatiser vos procédures. On pouvait considérer, d'une certaine façon, que ce module processing était un ETL. Alors je dis on pouvait, parce que c'était quand même un ETL très léger, très light, avec quelques fonctionnalités qui s'apparentaient à un ETL, mais ce n'était pas un ETL. Et je vais vous montrer qu'il y a eu pas mal d'évolutions au niveau du code, qui permet encore de s'approcher un petit peu plus de ces fonctionnalités ETL. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu quelques fonctionnalités de cet outil de traitement, de processing en anglais, dans la version 2.18 et un peu précédemment. Donc, les géoalgorithmes, les modeleurs graphiques, quelques trucs et astuces qu'on peut faire au niveau de ces fonctionnalités-là. Et puis, j'essaierai d'introduire un petit peu plus ce qui a été fait pour la version 3. Donc, rapidement, initialement, c'est un plugin écrit en Python pour le traitement de données. Donc, il a été créé par Victor Olaya. À la fin de sa période de thèse, il me semble. Et par la suite, hein, il y a eu plusieurs contributions, donc notamment par Victor Olaya, mais aussi un petit peu par d'autres développeurs, pour rajouter des fonctionnalités et avoir des améliorations voilà, au fur et à mesure. Ce plugin, en fait, se base sur d'autres outils pour faire ces traitements. Ce n'est pas cet outil-là qui fait des traitements, c'est les outils sur lesquels il se base, comme Saga, GEDAL OGR, l'Orfeo Toolbox, GRASS et d'autres outils qu'on peut rajouter par ailleurs. Donc en fait, il y a une configuration à mettre à définir et qui permet de définir où se trouvent ces applicatifs qu'il faut installer par ailleurs. Donc en fait, le processing concrètement, c'est quoi ? C'est un panneau qui s'affiche à droite, qu'on voit sur la capture d'écran, donc en haut à droite. C'est également d'autres fenêtres qui peuvent s'ouvrir en fonction des fonctionnalités. Donc on a une juste en dessous qui est le modeleur graphique. Je vais en parler un petit peu plus un peu plus tard. On a aussi un panneau, une fenêtre qui peut s'ouvrir pour voir les résultats. Et enfin, on a ce qu'on appelle le commander qui est en fait un système de lignes de commande qu'on peut écrire, qu'on voit tout en bas et qui permet de scripter un petit peu ce module processing pour automatiser un certain nombre de tâches si vous êtes plutôt dans une tendance développeur. Mais si vous n'êtes pas développeur, je vais vous montrer comment on peut déjà s'approcher de ce genre de choses sans vraiment écrire une ligne de code. Donc la configuration, vous avez un panneau de configuration qui d'ailleurs a été déplacé dans la version 3 au sein des options de QGIS. Mais pour l'instant, dans la 2.18, vous avez pu le voir, c'est un module séparé qui vous permet de définir les chemins, ce qu'on appelle les fournisseurs, les providers en anglais. Ce sont les applications sur lesquelles se base Processing pour faire les traitements. À savoir, comme je l'expliquais précédemment, GRASS, Saga, Orfeo Toolbox. Ensuite, on a quelques fonctionnalités qu'on peut activer ou désactiver. On peut définir les styles par défaut qui seront utilisés et appliqués dans les résultats à l'issue des traitements lancés par cet outil. Et ensuite, définir les extensions par défaut qui vont être utilisées dans le cadre du processing. Donc par défaut, pour les données vecteurs, c'était du shapefile. Donc en fait, entre chaque traitement, les données étaient exportées au format shapefile et lues ensuite par le traitement suivant, avec toutes les limitations qu'on peut trouver avec ce format shapefile. Donc à savoir des noms de colonnes, notamment limités à 10, etc. Au niveau des algorithmes, c'est plutôt important en termes de nombre. Au niveau de tout ce qui est lecture de données, en fait, on est capable de lire toutes les données que QGIS est capable de lire. Et effectivement, c'est un peu comme QGIS Server, en fait. Comme on se base sur le cœur de QGIS, on a les mêmes fonctionnalités. Donc pour la lecture des formats, vous n'êtes pas limité à certains types de formats. Du moment que QGIS le lit, le comprend, vous pouvez l'utiliser dans l'outil traitement. On a le shapefile, comme je le disais, comme format de données intermédiaires, temporaires, entre deux traitements. Comme je le disais, donc avec des limitations. Voilà. Et puis une petite anecdote, en bas vous avez un lien vers
un site qui vous incite à laisser tomber le format shapefile et à passer sur d'autres formats de fichiers. Pour les géoalgorithmes, donc vous avez des fournisseurs de données qui sont plus ou moins installés par défaut, notamment par sous Windows, vous avez généralement Grass qui est installé. Du coup, vous avez tous les traitements Grass qui sont disponibles. GDAL OGR, il est tout à fait installé avec QGIS, donc vous avez tous ces traitements qui sont disponibles. Donc ça, c'est un certain nombre de traitements, j'ai envie de dire, un peu par défaut, fournis par QGIS. Du moment que vous installez le fournisseur Grass, Saga, Orfeo Toolbox, vous avez accès à ces traitements. Mais vous avez aussi la possibilité de rajouter d'autres traitements via des plugins. Donc on a parlé de QuickOSM, mais il y en a d'autres, Concavool, etc. Donc d'autres traitements qui rajoutent encore des traitements, d'autres plugins pardon, qui rajoutent des traitements dans la liste d'algorithmes. Donc c'est pas vraiment limité. Et on peut même aller encore plus loin. On a également, comme pour les plugins, un dépôt de scripts à distance qui permet d'installer des scripts qui ont été développés par d'autres personnes, par d'autres développeurs. Donc en fait, cette quantité d'algorithmes que vous avez par défaut, vous pouvez l'augmenter encore en fonction de vos besoins. Pour exécuter un algorithme, d'une manière très simple, on va double-cliquer sur le nom de l'algorithme et on a une fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, j'ai pris un exemple d'algorithme qui permet de refactoriser les champs. Donc vous avez une donnée en entrée avec beaucoup de champs et en sortie, vous aimeriez limiter le nombre de champs à 2-3 qui vous intéressent, éventuellement créer un nouveau champ qui sera calculé automatiquement de la surface. Donc en fait, cet outil-là va vous permettre de choisir la liste des champs qu'on retrouve donc là sur la gauche, éventuellement lui changer de nom, changer le type et définir, aux manières de l'expression, une valeur dynamique différente de ce qu'elle avait au départ. Donc voilà, vous avez différents types d'algorithmes qui chacun propose des fonctionnalités donc différentes avec des paramétrages différents. On a très souvent, comme on a tout en haut, en fait, une liste déroulante qui vous permet de définir la donnée qui sera utilisée en entrée. Et en dessous, on a aussi très souvent quelque chose comme ça, donc un formulaire qui vous permet de définir la source en sortie. Donc un exemple de résultat par rapport au refactoring, ce n'est pas très parlant, mais voilà, vous avez après des données qui sont générées. Au-delà de cet aspect de lancer des algorithmes, vous pouvez également chaîner plusieurs algorithmes les uns après les autres. Alors vous pouvez le faire manuellement. Donc vous cliquez sur le premier, vous le configurez, vous cliquez sur OK, le traitement se termine, vous cliquez sur le deuxième algorithme. C'est un peu lourd, et puis le jour où vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur le premier algorithme, ben vous recommencez tout. Donc le plus simple, c'est de faire en sorte que ces différents algorithmes, on puisse les relancer facilement et automatiquement, même si on doit changer uniquement une valeur. Et donc pour cela, vous avez le modeleur graphique qui vous permet de modéliser vos traitements en déplaçant l'algorithme sur une surface de travail. Donc ici, on a un exemple très simple, pour tout dire, un peu inutile. Donc en haut, on a en bleu les sources de données. Donc on a une source de données vectorielle, donc qui s'appelle commune. Et à droite, on a la taille du tampon. Donc ça permet, dans le formulaire, l'utilisateur va pouvoir choisir sa couche vectorielle et il va permettre de choisir, le deuxième, la taille du buffer qui sera donc tous les deux envoyés sur le traitement qui est en blanc dans la partie centrale, qui va utiliser ces sources de données et générer la source en sortie. Donc en fait, le traitement ici, c'est de calculer un buffer autour d'une géométrie, mais si vous lancez en fait le traitement, vous aurez à peu près le même formulaire qui doit s'afficher un peu plus loin, qui s'affiche un peu plus loin. Je vais vous montrer ça. Mais vous pouvez avoir plusieurs sources de données, vous pouvez avoir plusieurs traitements qui sont chaînés les uns après les autres, et au final, on aurait donc le carré bleu qui permet de générer l'image, la géométrie, le fichier concrètement. Donc en fait, en données d'entrée, on peut avoir des couches raster, des couches vecteurs, des tables attributaires, des chaînes de caractères, des entiers, des booléens, ou des fichiers, ou des emprises. Tout ça, c'est ce qu'on, de manière exhaustive, c'est ce qu'on vous permet d'utiliser comme source de données. Ensuite, tous les modules qui sont disponibles dans la liste des algorithmes peuvent être utilisés dans le modèle Builder, tous. Ceux qui proviennent des plugins, ceux qui viennent des scripts, ceux que vous avez déjà fait via le modèle Builder sont eux-mêmes des algorithmes que vous pouvez réutiliser aussi. Donc vous pouvez construire comme ça des traitements vraiment très complexes. Et donc ici, on a à gauche, c'est pareil pour vous, hein, à gauche, le modèle Builder,
avec le petit script, et à droite, le formulaire qui s'affiche. Donc en fait, vous n'avez pas à réfléchir sur le formulaire. En fait, c'est, tout ça, c'est généré automatiquement par l'outil traitement, avec des fonctionnalités, on va dire, un petit peu cachées. Donc en fait, dans les champs d'entrée de données vecteurs ou rasters, en fait, vous avez la possibilité d'ouvrir une ressource extérieure. Par ressource extérieure, ce que je veux dire, c'est que si vous ouvrez la source de données vecteurs, par exemple dans QGIS, dans la liste déroulante, il va afficher la liste des couches vecteurs que vous avez déjà ouvertes. Donc c'est pratique. Mais si vous ne voulez pas passer par QGIS pour ouvrir la donnée, en fait, vous avez les trois petits points qui vous permettent d'aller chercher le fichier directement. Dans le cas de nombres ou de chaînes de caractères, vous pouvez utiliser une expression pour faire un calcul. Et dans le champ résultat, vous pouvez exporter vers un fichier temporaire, vers un fichier concret sur disque, ou bien d'avoir une expression pour avoir le nom du fichier d'une manière dynamique. Et enfin, on a la possibilité d'avoir une itération sur les entités. Par exemple, si vous voulez faire une extraction sur plusieurs endroits, vous avez un fichier vectoriel qui vous définit des zones d'études. Vous allez pouvoir du coup faire votre traitement sur chaque zone d'études les unes après les autres. Et donc c'est la petite icône avec le petit cercle vert qui vous permet de faire une itération, de faire un cycle sur les différentes géométries. Alors, quelques trucs et astuces. Donc, comme je disais, en fait, vos scripts et vos algorithmes vous permettent de créer un nouvel algorithme et vous pouvez les réutiliser encore comme des algorithmes dans le Model Builder. Vous pouvez exporter vos scripts en Python pour pouvoir l'utiliser en dehors de QGIS, sans l'ouvrir dans l'interface. Également, vous avez la possibilité, si vous avez un certain nombre d'algorithmes qui sont très utiles, très intéressants pour vous, vous pouvez les rajouter dans une liste déroulante et les faire apparaître en fait dans un menu, donc à côté du menu fichier, projet, etc. Vous avez votre menu que vous allez pouvoir personnaliser, et quand vous cliquez dessus, vous aurez les algorithmes que vous avez choisis. Les vôtres, les personnalisés, ceux des scripts ou n'importe quel autre. Ça vous permet comme ça très rapidement d'accéder aux algorithmes que vous utilisez. Et puis on a un système de batch donc, qui va permettre de refaire le traitement sur, par exemple, on a un répertoire avec 10 fichiers, on veut faire le même traitement sur ces 10 fichiers. On a fait notre algorithme. Avec le batch processing, on va pouvoir lister tous les fichiers et lancer le traitement par la suite. Et si vous avez des valeurs qui sont identiques sur l'ensemble des fichiers, si vous double-cliquez sur le nom de la colonne, il va récupérer la première valeur de la ligne, de la première ligne, et la répercuter sur toutes les lignes suivantes. Pour télécharger vos scripts à partir de dépôt guide, donc vous avez une fonctionnalité de téléchargement. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous avez, vous voyez, une liste de scripts qui sont disponibles. Certains ont été écrits, je crois que par c'était trois lises, n'est-ce pas? Bon, il est en train de discuter, mais je crois que c'est Michael. Donc, et après, il y en a eu d'autres qui ont été partagés, donc vous pouvez récupérer vos scripts et les installer, éventuellement partager ceux que vous avez écrits aussi. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai présenté là, ça existe toujours dans la version 3, donc c'est une bonne chose. Les limitations de la version 2, c'était que les fichiers, quand il y avait plusieurs traitements, ça j'ai déjà dit par ailleurs, mais c'est vraiment important, les fichiers intermédiaires, c'était des fichiers temporaires au format shape. Et c'était vraiment, on va dire, limitant. Ça avait vraiment des contraintes importantes. Le processing est écrit en Python. C'est bien. Ça permet d'intégrer plusieurs développeurs. Le problème, c'est que c'était plutôt lent. Et donc, du coup, on a des problèmes de performance sur des grands volumes de données. Donc, pour un ETL, c'est un peu limite. Donc en fait, le futur a consisté à réécrire l'ensemble du code processing. Donc tout a été porté en C, donc c'est plus du Python, c'est en C. C'est un peu plus complexe pour contribuer. Voilà, plus complexe. Par contre, du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et le code a été, on va dire, consolidé, amélioré. Et on a une vision sur le long terme qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus ouverte pour la suite. Donc vous voyez, en fait, une des évolutions, ça a été d'intégrer, de déplacer le panneau d'options au sein des options de QGIS, donc on a une meilleure cohérence. On a revu un petit peu l'interface, mais elle n'a pas changé tant que ça. On a la possibilité d'utiliser maintenant le multithreading, donc en fait, quand vous lancez des processus, des traitements, pardon, vous avez plusieurs processus qui peuvent se faire en parallèle, donc du coup, c'est toujours mieux, ça va plus vite. Les portages des algorithmes en C++, j'en ai parlé. Je crois que ça a été... Bon, tous les algorithmes ne sont pas encore passés, mais c'est en train d'être fait petit à petit.
On a enlevé les algorithmes qui étaient en double. Alors effectivement, des fois, pour faire la même chose, on avait plusieurs possibilités de le faire, donc c'était peut-être un peu déstabilisant pour certains utilisateurs. Certains avaient certains avantages que n'avaient pas d'autres modules, mais ces autres modules avaient d'autres avantages qu'en avaient pas les premiers. Donc là, en fait, il y a eu une sorte de consolidation. Il y a eu aussi des nouveaux algorithmes. Le processing maintenant tourne en arrière-plan et ne devrait pas figer l'interface. Et on a la possibilité d'annuler le traitement qui a été lancé si on pense qu'on s'est trompé, qu'on a fait une mauvaise manip. Et donc on peut l'arrêter. Voilà, je ne sais pas si je suis dans l'étang. J'ai peut-être accéléré sur la fin. Nickel. Voilà, j'avais fait une dernière slide pour remercier en fait tous les contributeurs autour de QGIS parce que ce n'est pas seulement ceux qui ont développé et travaillé autour du processing qui apportent des choses à processing, c'est aussi tous ceux qui travaillent autour du logiciel et qui apportent pas mal de choses. Voilà, je reste donc aussi à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Je pense qu'une des premières questions va être de me demander si les modules qui ont été développés, les traitements qui ont été développés sont compatibles avec la version 3. Ça c'est super pour un animateur, tu te poses toi-même les questions, ouais. Donc vas-y je te laisse répondre à la première question. C'était important et qu'il fallait que j'en parle, donc je vous le dis, non, malheureusement ça ne sera pas compatible. Merci. Il y avait une deuxième question peut-être, je crois, là. Oui. Bonjour. Une petite question un peu technique, savoir si les... À terme, il y avait des réflexions pour tirer parti du GPU sur les traitements du processing. Je crois qu'on a eu une question hier dans le barcamp. À l'heure actuelle, je n'ai pas l'information, mais je pense que ça devrait arriver à un moment donné. De toute façon, QGIS se base sur Qt, donc si Qt arrive à proposer ce genre de fonctionnalité, tu me confirmes ou pas? Est-ce que je crois que René, tu voulais compléter, mais juste avant, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est GPU, parce que c'est le processus qui est dans la carte graphique. Donc en fait, quand on a des gros volumes de données, en fait, on peut déléguer une partie des calculs au niveau de la carte graphique, parce que c'est généralement pas forcément un processus qui est très utilisé, et du coup, en fait, on gagne en temps de calcul. Alors il y a eu un provider processing qui avait été développé pour essayer de tester le GPU. Les résultats sont que il y a aucun gain. Il y a le coût de transfert de la donnée sur la carte graphique est tel que même si le calcul se fait en moins d'une seconde, voire très vite, on a perdu beaucoup de temps avant et après. Donc en fait, il faudrait avoir des traitements très 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 longs avec une optimisation de la façon dont on transfère l'information à une carte graphique pour que ça vaille vraiment le coup. Donc pour le moment, non. Bonjour, Étienne Massé. Donc, j'avais une question sur la gestion des erreurs sur le processing, justement en utilisant Modeler. Jusqu'à maintenant, moi, quand j'ai eu à l'utiliser, si jamais il y a une erreur dans la chaîne de traitement, il plante et il s'arrête et il ne saute pas l'erreur pour continuer éventuellement la chaîne de traitement. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui a été pensé ou... Alors, pas à ma connaissance. Je pense qu'il y a quand même une consolidation au niveau du portage de Python vers C++. Sans être 100% certain, on peut penser que cette consolidation permet de mieux gérer les erreurs. Après, ce qu'on pourrait avoir, c'est avoir un système qui permet de loguer un petit peu ces erreurs. Mais là, ça serait carrément de rajouter un module qui permet de faire ça, qui rattraperait les erreurs pour les stocker dans un fichier. Alors pour l'instant, ça n'existe pas, hein, mais c'est une idée qui pourrait. Non, mais après, c'est des erreurs souvent, c'est parce que. Vous lancez une chaîne de traitement qui est découpage d'une couche par rapport à une autre, et si jamais il y a un résultat nul, en fait, il y a une erreur et du coup il arrête le traitement. Et c'est des erreurs qui sont pas dans le corps du code, mais dans le. Je pense que ça dépend aussi peut-être des modules. Certains modules doivent mal accepter les valeurs nulles et planter, et d'autres mieux accepter. Non, actuellement, il n'y a pas ce genre d'option-là, mais ça fait partie des choses qu'il faut remonter en disant, voilà, j'ai un problème au niveau des valeurs nulles, comment je peux gérer ça? Pour que les développeurs, quand ils travaillent sur un nouveau module, prennent en compte ce genre de problématiques. Pour info, je suis pas développeur, donc on parlait un peu des contributions et on parlait beaucoup de développeurs, mais moi, je contribue à QGIS sans être développeur, donc c'est vrai que pour des questions un peu techniques, généralement, je suis avec mes collègues qui développent, je leur pose la question directement. Du coup, je n'ai pas forcément des questions, des réponses aux aspects techniques. J'ai une question sur le partage des algorithmes. J'ai fait un super algorithme, je veux le partager avec tout le monde.
Concrètement, ça fonctionne comment? Parce que moi, j'avais jamais vu qu'on pouvait directement échanger des algorithmes, les mettre à disposition sur un serveur. Apparemment, ça a l'air possible, d'après ce que tu dis. Alors, c'est possible de les récupérer. Et après, pour les proposer, je pense que c'est une pull request comme pour du code standard, entre guillemets, sur le dépôt. Alors, je crois que j'avais mis le lien vers le dépôt qui stocke tous ces algorithmes. Donc après, il faut faire une proposition. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas de système intégré à QGIS qui permettrait de se connecter sur le truc pour lancer la proposition. Ça serait l'idée, ça serait de simplifier la mise à disposition d'un algorithme . Si j'ai envie de le mettre à disposition pour tout le monde. Après, il y a quelques contraintes, parce que du coup, on risque de voir arriver plein de choses en doublon, pas forcément bien codé, mais... Oui, après. Je crois qu'il y a Michael Duchien de la société 3Lis qui a un complément. En fait, il y a deux manières de le faire, et c'est vrai que c'est des manières plutôt orientées développeurs. Donc il y a trois manières, on va dire. La première, ce serait de faire carrément un plugin Python QGIS qui renseigne des algorithmes pour le module de traitement. Donc ça, c'est possible. Le plugin, ça peut être, au niveau de l'interface, il n'y a pas grand-chose à faire, ça peut être juste une coquille vide, mais en tout cas, qui va dire à QGIS, voilà les algorithmes que moi, je veux ajouter dans QGIS. Donc ça, c'est une possibilité, c'est de faire un plugin. Du coup, les gens, ils pourront télécharger le plugin comme tous les autres plugins. Il y aura une mise à jour et tout ça. L'autre possibilité, c'est de passer par ce petit outil dans Script. On peut créer un script et ensuite, une fois que ce script est créé, oui, il faut le poser sur la plateforme GitHub. Donc, il faut être un peu développeur ou demander patte blanche. Et sinon, on peut tout à fait aussi envoyer un email à la liste de diffusion QGIS. Si on est anglophone, enfin, si on peut écrire en anglais, c'est plus simple. Sinon, sur les listes francophones, et demander à quelqu'un, regardez, j'ai un super algorithme, est-ce que vous pouvez intégrer? Il y a aussi cette possibilité-là. Hein, c'est la dernière manière de le faire. Oui. Bonjour. Tu disais que les fichiers shape temporaires avaient été enlevés dans la version 3, donc je veux savoir par quoi ça avait été remplacé. Est-ce que c'est tout en mémoire ou est-ce qu'il y a un autre format qui est utilisé? C'est des flux, en fait. Les traitements, en fait, le premier traitement va sortir les données et le traitement suivant va prendre les premières données dès qu'elles arrivent et commencer le traitement. Donc c'est en mémoire. Il n'y a plus de données temporaires, il n'y a plus d'attente, en fait. La donnée commence à partir sur le premier traitement, le deuxième, le troisième, elle est sauvegardée. Et pendant ce temps, les autres features sont en cours de procession jusqu'à la fin. Ok, donc c'est plutôt en mémoire en fait. Oui. Ok, donc si on travaille sur des très grosses données, il y a un risque que la mémoire soit rapidement saturée. Je pense, oui. Ceci dit, il y a toujours un moment où la donnée est chargée en mémoire pour le premier processus. Donc en fait, après la seule chose où on peut avoir un problème, je pense, c'est si on augmente le nombre d'informations dans le flux. Mais sinon, on aura toujours, je pense, le même nombre de géométries ou de features en mémoire tout le long des processus jusqu'à la fin. Allez-y. Oui, bonjour. Je me posais une question par rapport au profil utilisateur qui se trouve stocké dans Windows, où on a un profil utilisateur version 2, ou par exemple, qui nous permet d'aller chercher les bibliothèques OTB, etc. Donc, je me disais, donc... Est-ce qu'il va falloir le détruire ou est-ce que ça va se créer automatiquement un V3 ou qu'est-ce qu'il va falloir changer à ce niveau-là? Alors déjà, ce répertoire, c'est le point QGIS 2. Oui. Ben en fait, à la nouvelle version de QGIS, il s'appellera point QGIS 3. Donc, en fait, il va falloir remettre dedans des choses qui, en fait, on ne sait peut-être plus trop faire pour charger OTB, etc. C'est ça. Voilà. Oui, merci. Il y aura du travail à refaire. Il me semble... alors, je n'ai pas testé, mais il me semble avoir vu passer quand même... un système qui permet de migrer les paramétrages de la version 2 à la version 3. Mais je ne sais pas concrètement jusqu'où il va. Merci. Mais il ne fera pas tout. Il fera une partie. Une autre question? Je sais que par rapport au plugin pour partager les processing et compagnie, il y a un QGIS Resources Sharing ou quelque chose comme ça, mon accent anglais est assez mauvais, mais du coup qui en fait veut pouvoir être un outil pour partager des styles, des scripts et compagnie, mais il se retrouve face au même problème que... Enfin, il n'enlève pas la complexité de... Il faut mettre sur GitHub tes scripts, tes styles et compagnie, et il faut que les personnes viennent mettre le lien de ton truc GitHub pour venir l'ajouter. Donc c'est un autre biais, mais ça existe, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas vu d'utilisation majeure, si ce n'est la publication des styles que Anita avait fait sur OpenStreetMap ou des choses comme ça. Ok,
Oui, j'avais une question, je me rappelle plus, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, il y avait une présentation qui avait été faite par Victor Olaya, je crois, qui est un des développeurs du module processing. Et moi, j'avais été très surpris par, entre guillemets, la vulnérabilité de cet outil processing qui reposait principalement sur ses épaules à lui et sur son temps des week-ends et des soirées. Et je voulais savoir si c'était toujours le cas aujourd'hui avec les nouveautés que nous a présentées aujourd'hui. Et voilà. Alors, bah déjà, il y a eu Niall Dunfon, pour ceux qui suivent un petit peu le monde QGIS, qui a fait tout le portage. Mais bon, il travaille sur beaucoup de choses. Au niveau des scripts, donc, il y a eu Michael qui a fait quelques contributions. Au niveau des modules, nous, au niveau Camp to Camp, on travaille régulièrement dessus, notamment pour le ministère de l'Environnement. Après, effectivement, a priori, Victor Olaya ne travaillera plus sur l'outil traitement. Mais il y aura, comme c'est du coup du code en C ou en C++, il y aura tous les développeurs qui travaillent autour de certaines fonctionnalités qui vont pouvoir contribuer également. Ok, c'est merci. Voilà, la seule chose que je peux faire. Merci. Et puis, petite question de curiosité aussi, tu as évoqué très rapidement en bas d'une de tes diapos Switch from Shapefile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Alors, c'est une initiative d'un Européen. À force de parler un peu à droite à gauche, tout le monde qui disait « Non, le Shapefile, il ne faut plus l'utiliser, le Shapefile, il ne faut plus l'utiliser. » Je pense qu'on l'a déjà évoqué probablement lors des précédentes rencontres, ou en tout cas lors des barcamps ou en discussion comme ça, informelle. Et cette personne-là, en fait, a voulu un petit peu rendre la chose un peu plus marketing, officialisée, et puis expliquer un peu quelles sont les alternatives et comment migrer. Donc du coup, elle a fait une page assez simple en disant voilà le Shapefile, voici les contraintes qu'on a, donc c'est quelques-unes que j'ai listées ici, et puis après dans un second temps, expliquer quelles sont les alternatives, donc le GeoPackage, SQLite, pour lister celles qui, à mon avis, sont les plus pertinentes, et puis après il y en avait quelques-unes d'autres. Voilà, donc c'est juste une page assez simple, mais qui va vous permettre de comprendre pourquoi le shapefile est contraignant et pourquoi il faut le quitter, et quels sont les avantages à utiliser d'autres formats de données. Ok. Merci Yves et bravo. Je vais passer la parole à Régis Aubourg de la société Auslandia, qui va nous parler de QGIS 3 et puis des stockages auxiliaires. Et notamment de l'amélioration des relations avec Postgres. Ouais, je vais avoir quelques vidéos. J'aurais besoin d'aide parce qu'apparemment, ça ne marche pas au moment où il y aura besoin. Il va falloir jouer un petit peu. Les vidéos intégrées ne marchent pas sur cette présentation. Bonjour à tous, donc je suis Régis Saubon. Je travaille donc pour Auslandia, qui est une société de services. Voilà, on est une quinzaine, 14-15, ça varie suivant les mois. On a trois développeurs QGIS core committers, c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus par leur pair, ils ont les droits de modifier le code source, même si la bonne pratique qui s'avère toujours utilisée est de ne jamais modifier le code source soi-même sans une relecture des collègues. Voilà, petite originalité, c'est qu'on est un petit peu partout en France en télétravail, donc on a une petite skyline qui va de Nantes jusqu'à Grenoble. Donc voilà, on a parlé de ça ce matin, ça arrive, on pensait que ça arriverait cet été, finalement ça a pris un peu de retard. Il y a une telle quantité de fonctionnalités que je suppose que c'est un petit peu dur pour vous d'ingurgiter tout ça. Au point qu'il y a eu un appel à contribution à la communauté à venir aider à documenter toutes les fonctionnalités. Ça, c'est celle qu'on a identifiée pour l'instant, mais il faut quand même repasser en liste tout le changement du code source. Il y en a encore plein d'autres qui vont vous changer votre vie de tous les jours, même si on réabordera QGIS 3 sans changement majeur dans la façon de l'utiliser. Donc, j'ai pas envie de parler de ça. On va se décaler un peu sur des choses à très bas niveau, qui pourrait dire un peu ennuyeuse. Et c'est un peu lié au fait qu'on rentre dans l'âge de maturité. QGIS, c'est maintenant un client qui est très utilisé pour construire des applications sérieuses, pas forcément drôles. Par exemple, gérer l'application de gestion et de digitalisation des égouts de Paris, gérer des outils de réseau d'eau. On en retrouve de partout. On a des initiatives dans le monde entier qui explosent. Les bureaux d'études s'en saisissent tous.
Et ça marche, ça, non seulement parce que QGIS est le meilleur client avec les bases PostGIS et en général avec des bases spatiales, même Oracle, etc. C'est un très très bon client de base de données, ce qui est assez rare pour un client SIG, et que ça marche bien en s'appuyant sur les forces des bases de données relationnelles. Donc, on est en train d'en faire une philosophie de développement, en tout cas chez Auslandia, et on constate que ça s'impose de fait de partout, mais il y a quand même des bonnes pratiques à avoir autour de ça, et ça s'appelle le développement en base épaisse. Ça a été théorisé, en anglais, SIG Database. La logique est de garder un maximum de logique métier, business logic, dans la base de données, parce que c'est quand même là que c'est mieux exécuté, c'est là que c'est performant, c'est là que c'est le plus robuste, c'est là que ça peut être utilisé par d'autres applications, et pas que QGIS Desktop. Donc pensez que si un jour vous faites une super application QGIS, vous aurez peut-être envie qu'il y ait un client web qui ne marche pas du tout avec QGIS Server, qui ne marche pas du tout pareil, qui a envie de fonctionner de la même manière. Donc en faisant ça, on découple les choses, on fait des interfaces, on permet à l'application de survivre au long terme et aux refontes, etc. Et dans QGIS, il y a des choses fabuleuses, notamment les groupes de transactions, qui permettent de tirer parti au maximum de ses capacités à jouer avec Postgres, et donc de jouer à la volée tous les changements et de faire que la base réponde instantanément à tous les calculs qui peuvent être faits en base, donc via des vues, des triggers d'édition, des procédures stockées, etc. C'est réactif, c'est vraiment très utile. Alors pourquoi j'en arrive à parler de ça? C'est que c'était expérimental dans la version 2.x. C'était très difficile de trouver des clients et leur expliquer qu'il fallait faire évoluer ces fonctionnalités expérimentales absolument connues de personne. Donc on a fait appel au Grant Application QGIS.org pour demander des fonds et essayer d'aller avancer encore plus sur ces relations avec Postgres. Donc les groupes de transactions, ça permettait... Vidéo qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je... Tu passes dans vidéo. L'autre, donc. Vidéo et transaction groupe. Essayer de voir si ça marche. Voilà, ça peut se montrer que en dynamique, je suis désolé, les copies d'écran, ça ne marchera pas. Et la vidéo, ça ne marchera pas, on abandonne. Donc l'idée, c'était de voir que sur des tronçons d'ouvrage qu'on voit ici, là c'est des égouts, des réservoirs de chasse, des sorties de réservoirs pour nettoyer les égouts de Paris quand c'est un peu bouché, comme dans vos toilettes. L'idée, c'est que quand on déplace un objet, le réseau, bah, toute la logique en base fait qu'on ne peut pas casser la topologie du réseau, la connectivité des arcs, que tous les ouvrages suivent à la volée et qu'en fait l'utilisateur ne peut plus rien faire de mal, ou il faut qu'il le fasse exprès en déclenchant des actions volontaires. Et ça, c'est interactif, réactif grâce au groupe de transactions. Mais il y avait un souci, c'est qu'on ne pouvait plus faire CTRL-Z, CTRL-Y. C'est un gros problème, non? C'est un tout petit truc pour le côté interface utilisateur. C'est un énorme problème de code, parce que comme on voit tout dans la base, on n'a plus d'endroit pour stocker ces changements. Donc QGIS.org nous a aidé à faire revenir dans la pile de annuler-refaire les undo-redo, toutes les actions, et cette fois elles sont stockées dans la base. Donc c'est votre base qui stocke toutes vos actions d'édition, et vous pouvez travailler en QGIS 3 de la même manière qu'avant. Et donc là on est vraiment, grâce à ça, complètement mûr pour faire des applications métiers qui n'enlèvent pas cette fonctionnalité de base, annuler-refaire, qui est vraiment essentielle. Voilà un exemple de... J'ai l'impression que l'ordre des diapos est un peu volé. Je vais essayer de jongler avec ça. Les procédures stockées, qui par exemple sont utilisées dans les groupes de transactions, ça nous permet d'envoyer cette logique métier dans la base. Alors là, on parle de code simple. Select étoile from inverser mon tronçon, je vous l'ai fait en français. Ça peut être une fonction très compliquée qui fait plein de choses, qui réaffecte plein d'ouvrages, qui est dans la base. La problématique, c'était comment utiliser cette façon de discuter entre QGIS et la base. Ce qu'on avait envie de faire, c'était faire clic droit, inverser le tronçon, clic droit, découper le tronçon, déconnecter-le, et voilà. On pouvait déjà commencer à jouer avec ça en QGIS 2.18, mais il y avait des cas où on ne pouvait pas enregistrer ce qu'on venait de faire. QGIS n'était juste pas au courant que la donnée avait été modifiée, et puis c'est bien normal, il ne sait pas ce que ce select va faire dans la base. Donc on a ramené cette capacité-là à améliorer un petit peu les choses, à nommer ce qu'on fait. Voilà comment ça peut s'utiliser, cette logique de travailler en base, via des actions de couche. Donc pour ceux qui connaissent les actions Python ou autres,
on les déclare dans les propriétés de la couche, on met le petit bout de code qui fait pas grand chose en fait, il récupère l'identifiant de l'objet sur lequel vous cliquez, éventuellement le XY du clic de la souris, et puis on l'envoie dans le select qui est envoyé à la base, select API image inversé écoulement de mon tronçon, de mon identifiant de tronçon, transaction.execute.sql, c'est envoyé à la base, c'est automatiquement affiché, c'est rafraîchi instantanément. Vous vous rendez compte de la légèreté, là où il fallait faire des plugins énormes pour faire ça et réimplémenter toute la logique du code côté QGIS. Voilà, donc il manquait cette capacité à savoir que la couche avait été modifiée pour pouvoir enregistrer les choses dans certaines situations. Il manquait cette capacité à ajouter un nom, donc on a modifié l'API de QGIS pour ajouter deux petits flags. Et bien c'était pas si simple que ça, parce que ça repose toute la question de comment QGIS travaille avec du SQL. Est-ce qu'on réimplémente dans la capacité à lire toutes les données, etc. derrière ? Ça a fait de très longs débats avec les développeurs. Donc ça, c'est, on est d'accord, c'est un peu ennuyeux, mais sachez que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des applications vraiment, vraiment solides, qui joue pleinement avec des bases de données, et où QGIS en fait le minimum. C'est ça le plus important. Un peu plus de fun, un peu plus de graphisme. Comme on avait des financements découplés d'un besoin réel, grâce, c'est un peu de la R&D avec des financements QGIS.org, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on avait besoin de trouver un moyen de faire que QGIS rafraîchisse de la donnée. Imaginez, vous servez de QGIS pour faire un tableau de bord de gestion des incendies dans un SDIS, un tableau de bord de gestion d'aéroport, et puis vous avez vos avions qui se rafraîchissent, etc. Il fallait trouver un moyen de rafraîchir la carte régulièrement. Rafraîchir la carte, c'est une opération consommatrice. Vous allez rafraîchir les données de fond, les données raster, toutes les données d'image derrière. Donc c'est un peu violent de faire des tableaux de bord avec QGIS pour ça. En QGIS 3 est arrivée une nouvelle option, je pense qu'on la voit après, ça doit être petit, qui était au-dessus du cadre rouge, rafraîchissait la couche à un certain intervalle. Donc ça, c'est couche par couche, on permettait d'avoir un minuteur qui, tac, 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 toutes les secondes, vient rafraîchir la couche. Ça peut être très pratique pour générer des animations. C'est pour ça que c'est arrivé dans le cœur, pour améliorer le plugin Time Manager et porter ses fonctionnalités vers QGIS. Nous, on a rajouté un petit truc qui est très spécifique à Postgres, qui s'appelle utiliser les notifications Postgres, les Notify. C'est un moyen où la base envoie un signal sur un canal, qu'il faut écouter, évidemment, et qui dit « Ouh, il s'est passé quelque chose ». On envoie un signal sur un nom de canal, et puis éventuellement on envoie un bout de texte qui peut contenir un peu de données, qui peut contenir une balise pour la réutiliser, c'est très très souple. Et pour faire comprendre aux gens que ça existe, on l'a branché sur le rafraîchissement des couches. Et donc l'idée est de pouvoir déclencher depuis ma base de données le rafraîchissement de QGIS. Mais on peut faire plein d'autres choses avec. Vidéo numéro 2, j'espère qu'on a une chance que ça marche. Elle est plus jolie que la première. Voilà. Alors vous avez, pour les geeks, à gauche QGIS, à droite, une commande PSQL. J'ai des cours d'eau et je vais dans la base les rafraîchir, changer la géométrie en la simplifiant, par exemple, à la volée. Si on fait ça sur une base normale, QGIS n'est pas au courant qu'il se passe quoi que ce soit, donc eh ben, il continue à afficher le cours d'eau du moment où il a fait le dernier rafraîchissement. Voilà, donc là je mets le code du cours d'eau que je veux simplifier, ça doit être le grand cours d'eau. Vous voyez que j'ai fait l'update, la base a changé, QGIS n'est pas au courant, je me déplace, là il est au courant. Donc c'est un peu asynchrone. Dans la suite de la vidéo, ben, on voit la même chose, on déclenche le canal Notify, le signal, et là, QGIS qui était en train d'écouter, il va rafraîchir également à la volée. Je ne sais pas si on va passer l'effet waouh, ça va être un peu raté. Tu peux avancer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, on va voir la même chose sur un autre cours d'eau. Et j'envoie le canal Notify. J'appuie sur Entrée. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit dans QGIS, c'est déclenché. Ça, c'est des petites fonctionnalités qui vont ouvrir des choses énormes. On peut repasser, ouais. Des champs d'utilisation énormes. Notamment parce qu'en fait, comme toujours dans le projet QGIS, quand on a une bonne idée, les développeurs s'en saisissent, ça foisonne, il y a plein de bonnes idées. Et ils ont branché la capacité dans QGIS à déclencher n'importe quel type d'action,
grâce à ces signaux. Donc vous avez une action qui affiche une photo, vous avez une action de couche qui vient se mettre à faire clignoter l'écran. Vous pourriez même réimplémenter un canal de chat dans QGIS pour discuter avec vos collègues grâce à ça. Pourquoi pas? Donc ça va expliquer cette ligne-là que vous avez trouvée. Exécutez une action si la notification correspond à un schéma qui est passé dans le message du Notify. Donc ça, c'était du Postgres bas niveau. Un autre chantier qui n'a pas grand-chose à voir avec Postgres, c'est un chantier de très long terme qui fait suite aux travaux que j'essayais de financer à l'agence de l'eau à Dourgaronne dans mon emploi précédent, qui était de pouvoir faire de l'étiquetage plus simplement dans QGIS. Je sais pas si quelqu'un peut lever la main pour me dire s'il fait souvent de l'étiquetage personnalisé en déplaçant les étiquettes à la main. C'est pas beaucoup par rapport à SIG classique. Et c'est douloureux, on est d'accord? C'est douloureux, il faut créer des tonnes de champs. Donc moi j'avais fait au préalable une preuve de concept via un plugin pour essayer de simplifier un petit peu les choses, qui n'était pas parfait. Et j'avais commencé à financer le portage du cœur, dans le cœur de QGIS, des fonctionnalités de base pour pouvoir prendre une étiquette et la déplacer. Je pense que vous ne vous rendez pas compte du nombre de changements qu'on a dû faire et des impacts beaucoup plus larges que juste déplacer une étiquette que ça va avoir. On a dû trouver un moyen de stocker de la donnée à côté du projet QGIS. En QGIS 2, on avait les memory layers, c'est des trucs qui disparaissent, c'était juste de la mémoire, on ne peut pas sauver ça. Il y avait une extension qui permettait de sauver les memory layers à côté du projet, mais tout le monde oubliait de s'échanger le truc, on le perdait. On devait modifier les sources de la donnée, ce qui est très mal, hein, rajouter des champs de localisation d'étiquettes dans votre base de données, dans l'administrateur, vous n'avez pas donné les droits. C'était pénible, donc on était obligé de dupliquer la donnée. Voilà, c'était pas terrible. QGIS 3, on a ajouté la capacité à stocker à côté du projet un petit fichier SQLite très léger qui stocke les informations que vous allez saisir quand vous déplacez votre étiquette, changer sa couleur, changer sa police. On a prévu une évolution optionnelle pour l'instant du format qui va pouvoir être zippé pour pouvoir contenir tout un tas de choses, dont le XML du projet et la base de données SQLite qui stocke des choses. Mais ça ouvre la voie à des choses qui sont demandées depuis longtemps, de pouvoir embarquer toutes les données d'un projet dans un conteneur, de pouvoir récupérer les symboles, les SVG, les polices, etc., et pour faire qu'on ait un support de format portable et changeable. Ça reste à mettre en place, mais ce qui bloquait toutes ces démarches-là jusqu'à présent, c'était le format de fichier, qui permettait pas de le stocker. Maintenant, là, le format, on va pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Et puis, on avait besoin de joindre ces données auxiliaires avec la table d'origine qui porte nos étiquettes. Et puis, chaque fois qu'on déplace une étiquette et que la source de données est éditée, modifiée, supprimée, insérée de nouveaux objets, il faut que les deux restent en synchronisation. Et ça, c'est un cauchemar. Ça a été 16 000 lignes de code pour faire marcher ça. C'est passé par l'ajout des jointures éditables. Sur la même logique que dans Postgres, qu'on appelle le upsert, soit j'insère et j'ai pas de conflit, je crée un objet, soit si je trouve le même objet en face, je le mets à jour. Donc maintenant, vous allez pouvoir éditer les données de vos jointures. Ça, c'était très demandé par le ministère de l'Environnement. C'est un effet de bord collatéral du stockage auxiliaire, et c'est un effet énorme. Maintenant, par défaut, la barre d'étiquetage qui était grisée va être activée tout le temps. Et dès que vous allez vous en servir, la petite base de données auxiliaire va être créée toute seule. Les champs vont se calibrer tout seul pour utiliser ces champs-là plutôt que les propriétés natives. Vous pourrez ajouter si... Donc nous, on a pré-câblé tous les champs d'étiquetage pour que ça se rentre tout seul. Mais si vous voulez rajouter d'autres données pour changer la couleur d'un symbole ou faire n'importe quoi avec une donnée dans tous les paramètres d'affichage possibles... Dès que vous avez trouvé ce petit Data Define Widget, là, la petite liste déroulante qui est orange quand elle est activée, grise sinon, vous pourrez dire stocker la donnée dans le projet. Ça va se faire tout seul. Et puis, il y a une interface d'administration de ces bases de données pour pouvoir les exporter, les réutiliser, les nettoyer, les remettre à zéro. Donc attention, vous stockez dans le projet. Vous perdez votre projet, vous perdez votre donnée. Donc on revient à quelque chose de plus dangereux, beaucoup plus souple utilisateur. Mais attention à vous en servir que si vous êtes administrateur de base de données, pour un parc de 300 utilisateurs, vous allez voir
fleurir cette petite base de données. Et vous aurez forcément des utilisateurs qui viendront pleurer en disant « mais je l'ai perdu, mon étiquette, elle est où? Elle est stockée où ?» dans le projet. Donc c'est du volatile, presque jetable comme un projet. Voilà, tout ça je vous l'ai déjà dit. On n'est qu'au début du chemin. Pour aller jusqu'au bout de l'étiquetage totalement propre, il faut rajouter les flèches, les connecteurs d'étiquettes. Il faut rajouter la capacité à faire des étiquettes courbes. Si vous voulez mettre le nom d'une étiquette sur un massif et les mettre exactement où vous voulez, il faut vraiment faire de la cartographie. Il manque la capacité à substituer des étiquettes alternatives, des choses comme ça. On est au milieu du chemin, mais maintenant, on est plus qu'au milieu du chemin, là, le plus dur est fait. Voilà. Donc on n'attend plus qu'un petit coup de pouce pour finaliser tout ça. Et puis voilà. Et en tant que mainteneur du plugin précédent, j'ai plein de demandes de faire évoluer le plugin. J'ai dit non, on a fait des efforts importants pour basculer sur QGIS 3. Je ne vais pas maintenir le plugin, il ne saura jamais faire tout ça. Donc aidez-nous à finir le travail dans le cœur. Voilà, j'ai fini. C'était très parti. Merci. Merci Régis. Peut-être en attendant que le micro arrive, moi j'ai une question sur ce que tu disais quand tu disais, tu as clôturé en disant bah, venez nous aider à finaliser le travail. Quand tu as fait le test dans l'amphi en disant qui a rencontré ce problème, moi j'étais surpris par le nombre de personnes qui lèvent la main, donc c'est un problème important. Comment ils peuvent contribuer, comment ils peuvent t'aider? Est-ce que c'est des tests? Est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est du développement? Alors typiquement là, à cette étape-là, on a déjà, ça c'est, je l'avais financé de l'autre côté de la barrière, financé ces QEP, QGIS Announcement Proposal, qui proposent, donc il y en a 5, qui proposent la feuille de route pour améliorer l'étiquetage jusqu'au bout. On a réussi à faire financer les deux premières. Il reste 3 autres à financer. Le cahier des charges est prêt, vous n'avez qu'à faire un copier-coller de la QEP et puis partir demander à la concurrence qui veut bien prendre la suite. On est vraiment à l'étape de financement là. Merci. Oui, je reviens au Notify entre la base de données et QGIS. Je voulais savoir, sans rentrer dans les détails, ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est des WebSockets, quelque chose comme ça? Et voilà, et s'il y a de la configuration à faire entre la base de données et QGIS pour que le message passe, en fait. Alors, on a codé en... Est-ce que c'est des WebSockets? J'en sais strictement rien au niveau technique. Je pense que c'est juste le canal de base de données. À savoir que quand on active la surveillance d'un canal, on consomme une connexion dédiée à ça, qui passe son temps à écouter le canal de Postgre. Quand Postgre émet un notify, c'est simplement sur cette connexion-là, on reçoit un tout petit message qui fait moins de 8 kilobits. Il y a une pile maximale de plusieurs gigas, de combien on peut en recevoir avant de vider la pile. Donc il n'y a vraiment pas d'enjeu, il n'y a rien à calibrer, ça marche nativement. Ok. Sachez juste que si vous activez sur un parc de 300 QGIS, 300 projets ouverts en même temps qui utilisent une connexion chacun, vous aurez 300 connexions mobilisées par ça. Petit truc à gérer. Voilà. Et la deuxième question, c'était... C'est tout ? Oui. Le message renvoyé par le Notify, il est personnalisable ? On peut renvoyer de dire à QGIS, fais ci, fais ça. Ou c'est uniquement, je te notifie qu'il y a eu que la base a bougé. C'est extrêmement souple ce qui a été fait côté Postgres. Donc un canal de notification, il a un nom de canal. Nous, on a codé en dur qui s'appelait QGIS. Donc si vous voulez que QGIS l'écoute, il faut renvoyer un nom de canal QGIS, un nom de message. Et après, il y a un message optionnel, ce qu'ils appellent le payload. On met ce qu'on veut dedans, il n'est pas très grand. On peut mettre un bout de JSON si on veut envoyer de la donnée même, c'est changer des paramètres dynamiques à la volée. On peut mettre une balise, et c'est à vous, côté QGIS, de filtrer lequel de ces messages vous écoutez sur chacune des actions qu'il peut faire. Donc c'est extrêmement simple. On commence par ça. On pourrait faire bien plus complexe, ne pas filtrer en dur un nom de canal QGIS, mais on s'est dit que les utilisateurs, c'était déjà bien assez souple comme ça pour démarrer, d'autant qu'on n'a pas de cas concret encore mis en place avec ça. Gustave, et puis après Mickaël. Moi, je reviens juste sur ta réponse à la question présente par rapport au financement.
Juste, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de quel montant ça représente si une structure souhaite financer une QEB ou les trois restantes ou, Alors c'est difficile de répondre à ça parce que le périmètre de ce que tu demandes n'est pas encore très clair. Si on veut juste rajouter les étiquettes, je pense que pour 10 000 euros, enfin les connecteurs d'étiquettes, pour 10 000 euros, on les a largement et avec tous les types d'étiquettes, étiquettes courbes, etc. Parce qu'on a déjà mutualisé pas mal de marchés qui ont préparé les briques. Mais je parle vraiment sans chiffrage. Ce genre de questions, il faut. Si vous arrivez avec une nouvelle idée d'un usage de cartographie très précis que vous avez par ailleurs, par exemple un masquage sélectif de l'étiquette qui autoriserait à passer au-dessus de certains objets cartographiques et puis pour d'autres qui disparaîtraient, là, ce ne serait pas du tout le même ordre de grandeur. Donc, tout dépend de vos besoins. On en rediscute à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que par le système des QEP, on a déjà borné des séries de fonctionnalités élémentaires et on a déjà des prototypes d'implémentation. Donc, tout le travail de définition, qui est souvent très long, là, il est extrêmement accéléré. Ouais, d'abord une remarque et puis une question. Une remarque, c'est que là a été intégrée dans QGIS la possibilité d'écouter des notifications de la base. Donc vous, en tant qu'utilisateur, ce ne sera pas fait automatiquement. Il faut que quelqu'un, ça peut être vous, ait fait dans la base ce qu'il faut pour que la base de données fasse ses notifications. Sur modification de l'ouvrage ou de la ligne, la base, par défaut, elle n'envoie pas des notifications. Donc faut mettre cette intelligence de côté de la base. Et ensuite, en tant qu'utilisateur QGIS, il faut connecter un message et dire si la base m'envoie un message alors je fais quelque chose. Donc c'est pas tout automatique, hein. Vous aurez pas automatiquement ces changements là. Après ça, c'est une capacité qui a l'air, enfin j'allais dire qu'elle a l'air de rien, mais non au contraire, enfin qui pour l'utilisateur peut-être lambda n'est assez simple, mais qui va, je pense, entraîner une sorte de révolution dans le travail sur QGIS. Notamment quand on travaille à plusieurs sur de la donnée, si on va commencer à être notifié de changements automatiquement, il va falloir qu'ensuite celui qui gère la base épaisse fasse tous les verrous pour dire attention, quelqu'un a modifié ce objet, veux-tu aussi le modifier? Enfin, donc ces problèmes-là, ils existaient déjà avant, c'est-à-dire qu'on avait déjà, si on est deux ou trois à travailler en même temps, c'est le dernier qui gagnait avant. En gros, j'ai sauvegardé un objet, non mais. Si j'envoie sur la base et que la personne n'a pas géré, là elle pourra en plus notifier les utilisateurs, leur dire attention, il y a une modification qui a été faite ou pas, comment tu réagis. Et donc ça peut apporter beaucoup de choses, mais ça va apporter la complexité aussi au niveau de la base épaisse pour gérer tous ces cas de figure. Donc c'est une petite révolution qui arrive, mais je pense qu'on n'en a pas fini de voir le bout. Alors c'est pas forcément le dernier qui gagne, dans les groupes de transactions c'est le premier qui gagne, puisqu'il verrouille à la volée tous les objets. Mais ça, faut ce genre de choses sur les droits, l'accès concurrentiel, faut se reposer sur les mécanismes de base de Postgres. Et on nous l'a souvent demandé d'avoir des notifications explicites pour dire tel utilisateur est déjà en train de modifier le cadastre, il est verrouillé. Se relancer là-dedans, c'est à mon avis des choses inchiffrables. Ok, dernière question. Là, du coup, je pense à QGIS Server. Est-ce qu'on peut imaginer ces notifications, ces messages vers QGIS Server pour qu'ils rafraîchissent automatiquement si la base est modifiée par ailleurs? Alors, la question, c'est la première question qui est sortie sur les listes dès qu'on a annoncé la fonctionnalité. C'est intéressant. Il faut voir que QGIS Server travaille dans un environnement totalement différent. Il va requêter via des requêtes web, etc. Donc, il faudrait que votre client web écoute des signaux Notify. Pour lui demander, il y a d'autres façons de faire à peu près la même chose. Donc oui, ça peut être utilisé, mais ça sera le JavaScript qui écoutera le Notify. D'une manière ou d'une autre, via un service. Merci beaucoup. Pour clôturer la matinée, je vais appeler les étudiants de Montpellier Supagro qui vont nous faire une présentation. Donc il y a des étudiants de deux formations, la formation agrotique et la formation data science. Ils ont suivi cette semaine en fait un module avancé d'exploration de QGIS et ils ont exploré les fonctionnalités de la version 3 de QGIS accompagnée par René Luc Dont que vous avez vu ce matin. Et là l'objectif c'est qu'en une petite heure ils nous fassent une présentation rapide des différentes fonctionnalités qu'on a dans cette nouvelle version de QGIS. Donc je passe la parole à Alexandra pour introduire cette présentation.
Merci. Du coup, bonjour à tous et donc bienvenue dans cette présentation. Donc, on va vous présenter les différentes fonctionnalités de QGIS donc au sein d'un cas d'étude en viticulture. Donc, déjà, on a donc nous pour utiliser ces fonctionnalités, on a utilisé la version 2.18, donc qui est toujours disponible, qui a été publiée du coup en 2016 et on va également présenter quelques différences, quelques nouveautés qu'il y a par rapport à la version 2.14. Et également, on va vous présenter, donc, on a utilisé une version développeur, donc la 2.99, prochainement 3.0, qui va être bientôt disponible en janvier 2018. Donc, ces différentes fonctionnalités, on les a utilisées dans un cas d'étude. Donc, on est parti à partir du MAS numérique. Donc, le MAS numérique, qu'est-ce que c'est? Il a été inauguré en octobre dernier. C'est donc une exploitation qui s'étend sur une centaine d'hectares, qui comprend des vignes, des oliviers, des grandes cultures et des garrigues. Donc ils utilisent différentes technologies en agriculture numérique qui sont mises à disposition par tout un panel d'entreprises telles que SMAG, Vivelis ou également Pera Pélinque du groupe Pélinque. Et donc nous, on va utiliser dans le cadre de la viticulture de précision, donc afin d'acquérir différentes données, afin d'optimiser la conduite des cultures. Et donc les différentes données qu'on a utilisées, donc ça va être les contours des parcelles d'une domaine du chapitre sur lequel est installé du coup le MAS numérique, et également donc les mesures de débit de pulvérisation, donc mises à disposition par Picor, des données satellites de Sentinel 2 et également des données OpenStreetMap. Et donc toutes ces données vont vous être expliquées un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Donc nous, on va vous présenter quatre axes d'études présente en viticulture. Donc, par exemple, le premier axe sera donc d'évaluer la qualité de la pulvérisation des produits phytosanitaires. Donc, après, dans le deuxième temps, on vous parlera plutôt de comment on peut comparer la vigueur de végétation dans différentes parcelles. Et également, donc, on va vous présenter un suivi de l'évolution temporelle donc dans la parcelle. Et on clôturera cette présentation sur une modélisation de la pulvérisation des produits phytosanitaires. Donc maintenant, je vais passer la parole à Antoine afin qu'il vous présente le premier axe. Alors, notre premier axe d'étude, en fait, ça a été de travailler sur les pulvérisations de produits phytosanitaires dans les parcelles de vignes. La pulvérisation de produits phytosanitaires, c'est quand même un enjeu très important dans la viticulture. Donc, à la fois pour le viticulteur, mais aussi maintenant pour les consommateurs. Et pour les riverains, vous allez voir que c'est particulièrement vrai dans notre cas d'étude, où on a des parcelles qui se trouvent juste à côté d'habitations. Donc pour vous donner une petite idée, les traitements phytosanitaires sur une parcelle, en moyenne c'est 20 traitements en France sur une parcelle dans une année. Donc c'est pas du tout négligeable. Et donc c'est des traitements qui sont faits pour protéger la vigne tout au long de son cycle de culture contre les maladies et les ravageurs, et c'est des traitements qui sont extrêmement contrôlés au niveau des doses. C'est réglementé par l'ANSES, qui est une agence nationale, qui fixe des doses maximales pour chaque produit en fonction du type de culture, et qui sont contrôlés sur les applications que font les viticulteurs. Donc, Le but, en fait, de notre étude, de recueillir des données sur la pulvérisation, c'est de pouvoir pouvoir pour l'agriculteur se rendre compte de si sa pulvérisation a été conforme à ce qu'il voulait faire. Et on pourrait imaginer aussi que ça puisse à terme servir pour les organismes de contrôle à contrôler justement si la pulvérisation a été réalisée dans les normes. Donc ça, c'est une petite image pour vous mettre très rapidement l'idée. Donc on a un pulvérisateur avec une rampe de chaque côté. Vous allez voir que c'est important. Et chaque rampe couvre plusieurs rangs de vignes. Donc en fait, les données qu'on va récolter, elles sont récoltées à partir d'un capteur qui est en fait un débitmètre connecté qui s'appelle Picor, produit par la société allemande Sika. Et donc qui s'installe sur le pulvérisateur et qui va mesurer toutes les secondes les débits de produits qui sont envoyés dans chacune des rampes, donc à gauche et à droite.
Donc c'est pas la seule mesure qui prend. La liste des attributs sont présents, sont listés ici, donc il va bien sûr mesurer la position, la distance qui est parcourue à chaque seconde. Et donc en fait, l'objectif de notre étude, ça va être de pouvoir afficher sur la carte le nombre de rampes qui sont activées. Donc 0 si on n'a pas de pulvérisation, 1 ce qui est souvent le cas quand on est en bord de parcelle, et 2 ce qui est le plus souvent le cas dans une utilisation classique. Et ensuite la qualité de la pulvérisation, donc si on est à la dose à laquelle on voulait l'appliquer, ou s'il y a un problème et qu'on est en sous-dosage ou sur-dosage. Donc pour ça, on va créer des règles de style sur notre couche de données dans QGIS, et le but c'est ensuite de pouvoir les appliquer à d'autres couches, parce que bien sûr on a plusieurs parcelles et on fait plusieurs applications tous les ans, donc on veut pouvoir faire ce processus, appliquer ce processus ensuite à nos autres couches de données. Et enfin, on veut pouvoir faire des statistiques sur ces données de pulvérisation à la parcelle. Donc, pour rentrer un peu plus dans la méthode qu'on va utiliser, ce qu'on va vouloir calculer à partir de nos données de débit, c'est en chaque point un volume de produits appliqués rapporté à l'hectare, qui sera la valeur qu'on comparera au seuil qu'on veut atteindre, qu'on se fixe au départ. Donc ça, c'est une valeur qu'on va calculer et qui dépend d'attributs qui sont présents dans nos données qu'on a récoltées, donc comme les débits à droite et à gauche, la distance parcourue entre chaque point de mesure, mais aussi dépend de données qui sont propres au pulvérisateur, comme le nombre de rangs qui sont couverts par chaque rampe, et de données propres à la parcelle, comme l'écartement entre les rangs. Donc ça va nécessiter de créer ces variables en tant que variables de couche. Donc c'est le processus qu'on a utilisé ici, donc en allant dans les propriétés de notre couche, et en allant dans l'onglet variable, on clique sur le bouton plus, et ça nous permet d'ajouter une variable avec un nom et une valeur. Et donc maintenant qu'on a créé ces variables de couche, on va pouvoir calculer le nouvel attribut grâce au calculateur de champ qu'on obtient en cliquant sur le boulier en haut. Et donc, on a sélectionné un attribut virtuel pour éviter de modifier nos données en dur. On a sélectionné le type nombre décimal. Et ensuite, on a inséré notre formule, donc avec un calcul qui dépend, comme j'avais dit, d'attributs qui sont présents dans les données et de variables de couche qu'on vient de créer. Donc une fois qu'on a ces informations, c'est-à-dire les variables de couche et l'attribut virtuel, on peut procéder à afficher pour chaque point de pulvérisation si on est aux normes, c'est-à-dire si on est en sous-dose, sur-dose ou si on est à la dose conforme, et aussi combien de rampes ont été utilisées pour pulvériser ce point. Donc pour cela, on va dans les propriétés de la couche. Et dans les propriétés, on va au style et on choisit de choisir les styles avec un ensemble de règles. Et pour les ajouter, on clique sur le petit plus en dessous de la liste de styles. Donc pour un style donné, on lui donne une étiquette et ensuite on lui donne un filtre. Donc soit on l'écrit à côté de son nom filtre, ou on clique sur le bouton à côté et on va arriver sur un constructeur de règles. Donc ce constructeur va nous permettre d'utiliser les opérateurs et aussi les attributs de la table d'attributs ou les variables de couche qu'on a créées auparavant. Donc ici, ce qu'on va utiliser, c'est notre attribut virtuel qui est le volume par hectare théorique. Et on va utiliser cette valeur-là et le volume hectare. Et on va utiliser ces deux variables pour définir si on est au-dessus ou en dessous du seuil ou si on est autour de la dose conforme. Donc une fois qu'on a créé toutes nos règles, donc les règles qui s'adaptent, qui s'appliquent par rapport à la rampe, au nombre de rampes, et les règles qui font référence au volume hectare qui a été pulvérisé, on peut embriquer les règles les unes dans les autres. Donc pour cela, on va cliquer sur les règles par rapport à la dose, et on va les emmener au sein des règles par rapport à la rampe, et la condition qui est à la règle par rapport aux rampes, si on a une rampe, deux rampes ou zéro,
elle va s'appliquer aux règles qui sont imbriquées au sein d'elle. Donc ici, pour notre couche picor, pour la première couche qu'on a importée, on a nos règles de style, donc on a nos points qui s'affichent en fonction des deux types de règles qu'on a créées. Mais nous, on a, dans notre cas, on a trois mesures, donc à trois dates différentes, et on peut aussi avoir des mesures sur une autre parcelle, et on voudra que la mise en forme soit conforme pour toutes les couches picor. Donc, une fois qu'on a importé nos autres couches picor, on va à la couche sur laquelle on a créé les règles et on choisit de copier les règles de style. Et ensuite, sur les nouvelles couches, on retourne dans style en faisant un clic droit et on copie le style. Donc, avec ces règles de style, vont aussi être transportées les variables de couche, mais avec les mêmes valeurs que pour notre première règle. Et dans notre cas, par exemple pour l'écartement des vignes, les valeurs ont changé. Donc il faut veiller à aller changer les valeurs dans la nouvelle couche. Par contre, on a créé un nouvel attribut dans la table d'attributs de la première couche et celle-là n'est pas transportée avec les règles de style. Donc il faut ne pas oublier à aller recréer ce volume par hectare parce qu'il n'est pas présent dans les nouvelles couches. Donc à ce moment-là, on a notre base de travail sur les données picor. Pour nos trois couches picor avec les trois mêmes règles de style. Et je vais passer la parole à Antoine pour qu'il commence le travail sur ces couches. Merci Laurel. Donc, vite fait, on va parler des croisements de couches, croiser des données au sein d'une couche virtuelle. Parce que l'exploitant agricole, il a des données picor qui vont lui permettre de se renseigner, d'avoir des points. Sur les volumes qu'il a épandus. Mais lui, il fonctionne plutôt en termes de parcelles, avec un certain volume. Basiquement, il arrive avec son produit à traiter, et il ressort avec un certain volume, et il calcule ce qu'il a mis dans sa parcelle. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de représenter les données picor qu'on a eues, qui sont sous la forme de points continus sur la parcelle, et de les intégrer dans la couche parcelle. Donc, pour ça, on va utiliser la création d'une couche virtuelle. Tout d'abord, il ne faut pas oublier d'attribuer les identifiants, et pour ça, très facilement, on peut le faire avec rowNumber de la calculatrice de champ. Ça permettra d'attribuer des identifiants uniques pour chacune des lignes. La création d'une couche virtuelle, elle est issue d'une fonction de MapInfo qui a été intégrée dans QGIS. L'intérêt, c'est qu'elle permet de se passer de tableaux intermédiaires ou de couches intermédiaires. Donc ça permet d'aller très rapidement avec une simple requête SQL. Juste ici, on peut avoir le bouton pour ajouter ou éditer une couche virtuelle. La console en SQL en elle-même, c'est une requête SQL, donc c'est très rapide, surtout pour les utilisateurs de SIG qui ont l'habitude. Les requêtes qu'on a fait. Donc c'est des volumes épandus à l'hectare, donc des données quantitatives, des volumes épandus à la parcelle, et des données statistiques issues de picor, donc min, max et moyenne. Voilà, tout simplement. Donc au résultat, on a deux cartes. Une carte où on a représenté les points de picor, et une carte où on a enlevé les points de picor, et la couche virtuelle qui intègre les données statistiques et quantitatives. En dessous, on retrouve le tableau, et ce qui nous permet de voir, alors, il faut que je le montre, peut-être. L'objectif, il était de 190 litres à l'hectare de produits en appliqué, et on peut voir que la moyenne est en dessous des 190, alors qu'il a vraiment fait un volume de 180, il a vraiment épandu un volume de 189 sur cette parcelle. Et ça permet en fait de rendre compte que la dose n'a pas été épandue de manière homogène dans la parcelle, et c'est donc un moyen de visuel très rapide pour lui d'observer ça sur ses parcelles. Voilà. Tout de suite, on va un peu mettre en pause les données de picor et leur utilisation, et on va passer aux données NDVI. Et je donne la parole à Inès. Merci. Après ce premier axe d'étude basé sur l'évaluation de l'efficacité de pulvérisation, nous allons passer au deuxième axe d'étude qui concerne, dont l'objectif est la comparaison de la vigueur de la végétation entre différentes parcelles. Pour cela, nous avons étudié un indicateur qui s'appelle le NDVI.
C'est un indice en fait de végétation par différence normalisée. Il est très utilisé pour caractériser l'état de la végétation parce qu'en fait il est assez simple à calculer comme on va le voir tout à l'heure par sa formule. Et également, le fait qu'il soit normalisé, ça permet en fait de limiter les effets de lumière. Du coup, on l'utilise très régulièrement pour voir l'état de la végétation et notamment sa vigueur. L'utilité en agriculture ou en viticulture plus précisément, c'est que grâce à cet indice, le viticulteur il a du coup une cartographie de ses parcelles, de la variabilité de ses parcelles ou intraparcellaires sur le critère de la vigueur. Et à partir de cela, il peut l'utiliser comme un outil d'aide à la décision pour, par exemple, effectuer une modulation des intrants, comme on disait tout à l'heure, les produits phytosanitaires, ou une segmentation, une récolte différentielle de sa vigne. Par exemple, si on observe sur les parcelles que certaines régions sont moins vigoureuses que l'autre, que d'autres dues à l'état sanitaire, il pourra, par exemple, appliquer des doses plus élevées sur ces zones-là par rapport aux zones dont la vigueur est plus grande. Alors, concrètement, pour calculer le NDVI, on aura besoin de données. Il s'agira bientôt, bien sûr, des contours parcellaires, comme on les voit là, avec les unités culturelles qui sont des petits segments qu'on voit dans les parcelles. Et en plus de ces données, bien sûr, ce sont des données du masse numérique. Et en plus de ça, on aura besoin des données de raster dans le rouge et le proche infrarouge. Pourquoi le rouge et le proche infrarouge? Parce que le NDVI utilise ces bandes spectrales-là, parce que aussi la différence entre... Il a été avéré qu'il y a une différence de réflectance de la végétation entre le rouge et le proche infrarouge. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de ces bandes spectrales. Le proche infrarouge, on l'a nommé B8 et le rouge, on l'a nommé B4. La spécificité des images Sentinel 2, c'est que leur résolution est assez faible, entre 10 et 60 mètres. Aussi, la fréquence de passage est de 5 jours par rapport aux autres satellites. C'est assez c'est intéressant à suivre plus régulièrement l'évolution des cultures. Également, ce sont des données qui sont à accès libre et gratuit sur des interfaces telles que PEPS ou TEA. Alors, avec ces données-là, sur QGIS, plus précisément, on va utiliser les fonctionnalités qui sont la calculatrice raster et l'extension statistique de zone. Et là, plus précisément, je présente la calculatrice raster. La calculatrice raster, elle va permettre en fait d'utiliser les rasters existants, c'est-à-dire dans le rouge et le proche infrarouge, pour opérer des calculs. Et le résultat sera une nouvelle couche raster qui sera du coup le NDVI. Là, c'est la console raster qu'on voit. L'accès, c'est assez simple, raster, ensuite calculatrice raster. On voit là qu'on sélectionne les couches rouges et proches infrarouges. Et après, il y a l'encadré où s'affiche la formule appliquée, c'est-à-dire proche infrarouge moins rouge. Et la normalisation se fait par le rouge plus le proche infrarouge plus rouge. Le NDVI produit, puisqu'il s'agit d'un indice normalisé, ses valeurs sont entre moins 1 et 1. Et les valeurs entre moins 1 et 0 sont des valeurs qui ne concernent pas la végétation, l'eau ou la glace par exemple. Et les valeurs positives, ce sont des valeurs qui nous intéressent et qui manifestent et qui représentent la végétation. C'est pour cette raison que là, c'est le résultat qu'on obtient après le calcul de NDVI, c'est la nouvelle couche NDVI, dont les valeurs de pixels sont entre moins 1 et 1. Et l'idée, c'est de ne garder que des valeurs positives parce qu'après, on devra faire d'autres traitements plus spécifiques à la parcelle et non juste à la zone d'intérêt. C'est pour ça que nous avons encore
utiliser la calculatrice Rastor pour retirer toutes les zones, toutes les valeurs négatives du NDVI. Je vais vous épargner la formule. Et du coup, en obtient ce résultat-là, et on voit bien la différence entre le NDVI d'origine et le NDVI corrigé, parce que là, par exemple, on a des zones blanches, et après, là, et là, par rapport à là, on voit bien que ces valeurs ont été supprimées. Et après avoir regardé sur Google Satellite, on se rend compte que ce sont des zones marécageuses, des zones qui ont de l'eau. Voilà. Là, c'est notre NDVI sur la zone d'étude. Maintenant, je vais passer la parole à Alex pour le NDVI sur nos parcelles plus spécifiquement. Merci. Du coup, il va y avoir un deuxième traitement qui va être fait, parce que quand on regarde cette carte ici, le viticulteur, lui, il va pas vraiment comprendre, ça va pas vraiment lui parler, parce que donc toutes nos valeurs sont entre 0 et 1 après la correction. Mais également, lui, donc, il devrait savoir, donc, avoir une aide à la décision pour savoir comment traiter, comment moduler ses intrants et comment optimiser vraiment les intrants qu'il va rentrer. Donc, on va faire un deuxième traitement qui va être une classification. Donc là, on repart sur la calculatrice Rastor. Et donc, on va avoir cette formule ici afin de créer nos classes. Donc, si jamais on prend une valeur NDVI qui va être faible, ici, c'est un test. C'est-à-dire que si jamais ce test-là est validé, il va prendre la valeur 1, sinon il prendra la valeur 0. Donc, si on a un faible taux, une faible valeur NDVI, il va vérifier celle-là, mais pas forcément celle-là, ce qui fait qu'il prendra la classe numéro 1. Si jamais, au contraire, on a une valeur importante de NDVI, il va valider tous ces tests-là et prendre la valeur 4, donc la classe numéro 4. L'objectif, c'est également de créer une palette de couleurs afin que ce soit plus parlant sur une carte. Donc, en allant dans la propriété de la couche, et donc plus la densité de végétation va être importante, et plus on va aller dans les tons verts. Donc finalement, on obtient cette représentation-là. Donc ici, on voit bien que donc les zones dans le vert vont être les zones avec la densité de végétation qui va être plus importante, et également les zones ici vont être celles avec la densité la plus faible de végétation. Et ici, quand on regarde, c'est plutôt l'ensemble des bâtiments, et ici beaucoup plus les parcelles. Donc nous, finalement, on veut un objectif, c'est d'avoir le NDVI moyen sur nos parcelles du chapitre, les domaines du chapitre. Du coup, en faisant apparaître le contour parcellaire et les petits îlots de parcelles, on va pouvoir calculer donc notre NDVI moyen par parcelle. Donc pour ça, on va utiliser une extension qui s'appelle statistique de zone. Donc en allant dans le menu raster et en utilisant la statistique de zone, on choisit la couche qu'on veut donc pour calculer. On va choisir également la couche où on veut faire apparaître notre statistique, et on choisit quelle statistique on veut calculer. Donc dans notre cas, on est intéressé plutôt par la moyenne, l'écart type, également minimum, maximum. Quand on regarde dans la table des attributs, on va avoir quatre nouvelles colonnes qui vont apparaître, et on va pouvoir du coup les représenter. Donc en faisant une composition d'impression. Donc toute la mise en page est faite dans QGIS, donc que ce soit pour la carte. On peut également faire apparaître le tableau de statistiques. Donc en cliquant sur attribut, on peut modifier le nom de l'entête. On peut également modifier le nombre de valeurs qu'on veut dans ce tableau en cliquant sur le petit epsilon qui est juste là. Et donc on obtient cette magnifique représentation qui nous présente donc bien donc nos bâtiments qui correspondaient à la zone violette qu'on avait vue précédemment, mais également le NDVI moyen. Et donc chaque petite parcelle va avoir son identifiant avec son NDVI moyen, la médiane, l'écart type, etc. Donc là pour le NDVI, ça va être bon. Donc je vais vous laisser la parole à Chloé pour présenter le dernier. Merci. Du coup, avec Julien, on va vous parler du plugin Time Manager. Donc ce plugin, il permet de valoriser des données temporelles, et en fait il permet de donner une certaine des animations sur le logiciel QGIS en fonction du temps. Donc en fait on va reprendre les jeux de données présentés précédemment, et en fait donc
on va du coup s'intéresser à l'application de ce plugin sur des données vectorielles et sur des données raster. Donc moi, pour ma part, je vais commencer par vous présenter l'application de ce plugin sur des données de type vectoriel, sur le jeu de données PICOR, donc, qui concernait la qualité du traitement phytosanitaire. Et en fait, qu'est-ce que peut nous apporter un tel plugin sur ce jeu de données? On peut avoir une petite visualisation du travail qui a été fait, notamment évaluer en fait en fonction du temps la qualité du traitement phytosanitaire, voir si la personne qui a travaillé a bien optimisé son passage avec le tracteur. Ah, ok, pardon. Et du coup, on va voir que ça donne donc une bonne visualisation de ces données. Cette extension, donc on l'installe via le menu extension. Et une fois installée, on aura une fenêtre qui va apparaître en bas de l'écran, la fenêtre Time Manager, avec deux boutons assez intéressants. Un premier bouton, le bouton On-Off, qui permet d'activer ou désactiver les fonctions de Time Manager. Et un bouton Paramètres qui permet d'importer les couches vecteurs raster et gérer les options d'animation. Donc si on clique sur le bouton Paramètres, on peut ajouter du coup en cliquant sur Add Layer nos couches vectorielles. Dans notre cas, donc on veut suivre la qualité du traitement, donc on va afficher les points concernant la qualité du traitement. Et on a ajouté un petit symbole de tracteur pour pouvoir avoir une petite visualisation du tracé, enfin une visualisation un peu plus concrète. Ensuite, une petite parenthèse juste pour vous expliquer qu'on a découvert du coup qu'il y avait beaucoup de symboles dans la bibliothèque QGIS et qu'on peut totalement personnaliser son projet et même récupérer des symboles qu'on a créés soi-même sur des logiciels de dessin vectoriel. On a juste à renseigner le début et la fin de l'affichage de nos données, et on règle la fréquence d'apparition des différents éléments. En cliquant sur OK, on a donc du coup un accès à une visualisation de l'animation, qu'on peut du coup, je vais vous montrer une petite vidéo, on peut, donc, en cliquant sur Play, visualiser donc, le déplacement du tracteur. Et on peut du coup avancer, reculer, on peut voir si, comment le plugin est mis en place. Et on voit qu'il y a un réaffichage à chaque fois des étiquettes, mais qu'on pourra gommer lors de l'exportation. Ensuite, pour exporter la vidéo, on clique sur exporter la vidéo. Et en fait, nous, comme on travaille sous Windows, on n'a pas possibilité d'exporter directement notre animation en format vidéo. On a juste une série d'images au format PNG. Et en fait, c'était à nous, du coup, d'utiliser un autre logiciel pour monter la vidéo. Donc, on a utilisé Windows Movie Maker. Et voici le rendu final. À peu près la même vidéo, mais en format MP4. Donc on peut voir du coup où a commencé le tracteur, qu'il a eu quelques surdosages au démarrage. On peut voir du coup les demi-tours par la suite. Bon, je vous épargne les 3 minutes de vidéo. Et du coup, maintenant, je vais laisser la main à Julien qui va vous parler de ce plugin sur des données de type raster. Donc on va reprendre du coup les données NDVI. Oui, merci Chloé. Donc voilà, le plugin Time Manager permet aussi de traiter des données raster. Donc je vais vous montrer ça avec un exemple d'un jeu d'image Sentinel-2 sur lequel on a calculé le NDVI. Notre question serait: quelle est l'évolution du couvert végétal au cours de l'année? Et cette question a un réel intérêt en viticulture de précision parce que c'est grâce aux valeurs de couvert végétal qu'on peut calculer les doses, donc les quantités de produits phytosanitaires à épandre sur les vignes. Donc l'outil Time Manager va permettre d'afficher successivement les différents rasters en fonction de leur date de prise de vue. Pour notre cas, les données étaient trop différentes les unes d'entre elles, et du coup le rendu final était beaucoup trop saccadé, on n'avait pas une belle évolution. Du coup on a dû faire une interpolation, donc c'est-à-dire à partir des deux données réelles, deux rasters réels, donc à des temps différents, donc T1 et T2, on va calculer un raster hypothétique à T1/2 en se basant justement sur les deux données réelles. Malheureusement, le plugin Time Manager ne permet pas directement de faire cette interpolation-là. Du coup, on a dû la faire en externe, en créant un petit script R qui permettait donc de faire ce calcul-là.
Une fois qu'on a créé donc les rasters, on doit les importer dans le plugin Time Manager. Donc voici la fenêtre qu'on a. Et il faut quand même spécifier la date de début d'affichage et la date de fin d'affichage du raster. Donc il y a deux méthodes pour le faire. Soit on le rentre directement à la main dans les champs, mais le plugin peut quand même lire le nom de la couche, parce que souvent dans les données raster, la date de prise de vue est intégrée au nom de la couche ou au nom du fichier. Et du coup, en spécifiant l'emplacement de cette information-là dans le nom, on peut récupérer automatiquement la date, ce qui est plutôt pratique. Du coup, ensuite, comme pour les données vecteurs, on exporte nos images et on crée la vidéo grâce à Windows Movie Maker, par exemple. Donc voici le rendu final pour les données NDVI. Voilà. Alors, c'est intéressant de regarder à peu près ces parcelles-là, où on va voir vraiment l'évolution. Et vous avez la date qui est en bas à gauche, à droite. Donc voilà. Donc le plugin Time Manager est facile à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup d'options à gérer. Du coup, c'est très rapide de l'utiliser, même pour les débutants. En une après-midi avec Loé, on a réussi à vous faire les deux rendus que vous avez vus. Ensuite, ça permet de faire des outils de communication intéressantes, puisque souvent pour les présentations, on a des choses très statiques, mais dès qu'on a une donnée temporelle, ça peut être intéressant de la valoriser, et notamment en faisant une vidéo, où voilà, on a un support plus dynamique pour communiquer. Et les rendus se font quand même assez rapidement. Par contre, l'outil n'est pas assez complet sur les données raster, où c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir justement la possibilité d'interpoler les rasters directement dans l'outil. Et le gros souci aussi, c'est de ne pas pouvoir exporter directement les vidéos en Windows. En Linux et en Mac, apparemment, c'est possible. Donc, voilà. Voilà, et donc cet outil... on peut l'appliquer sur plein d'autres choses. Il y a plein d'autres domaines qui s'y prêtent. Quand on veut regarder, par exemple, l'évolution de la couverture des sols, la minimisation de la déforestation, ou bien aussi le suivi de population pour de l'écologie, par exemple, c'est des outils qui s'y prêtent très très bien. Et si vous voulez plus d'informations, il y a donc sur le site Géo-Information une petite documentation qui est assez complète et très rapide, et qui explique vraiment comment faire les rendus qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais passer la main à Yolaine maintenant. On va vous présenter un peu le retour utilisateur de la version QGIS 3.0, qui est plutôt en fait la 2.99. Donc on a eu l'occasion de tester cette version sur 2 jours. Et il faut savoir que notre profil utilisateur, c'est plutôt débutant. C'est complètement débutant. Et donc on a surtout voulu mettre en évidence l'utilisation de la fonctionnalité 3D, qui est la grande nouveauté en fait sur la partie QGIS. Et on a souhaité donc modéliser les données Picor de tout à l'heure en 3D sur un modèle numérique de terrain de Villeneuve-les-Maglan. Donc tout d'abord, généralement, enfin, la prise en main de la version 3.0. Donc, on a une interface qui est quand même très similaire à celle qu'on avait vue sur la 2.18. On a juste quelques modifications de barres d'outils, donc sur l'ajout de couches ou sur le tracé de polygones, pardon. Mais rien de, enfin, ça reste très intuitif si on était déjà utilisateur de QGIS avant. Donc, on a voulu d'abord tracer un modèle de numérique des terrains, donc utiliser en fait une donnée raster et appliquer le modèle 3D sur la donnée raster. Donc on disposait du RGE ALTI de l'IGN avec une résolution à 1 mètre. Donc on avait une centaine de dalles qui se chevauchaient et qu'on a voulu fusionner pour créer un unique modèle numérique de terrain pour le traiter par la suite. Donc de la même façon que sur la version d'avant, on avait dans l'outil raster un outil pour réaliser cette fusion. J'en profite pour rapporter un petit bug qu'on a eu, donc un petit retour. En fait, il fallait réattribuer pour chaque couche, pour chaque dalle, le système de coordonnées de référence. Donc il fallait cliquer 116 fois sur le OK. Donc s'il y a moyen de le changer, ce serait plus pratique, comme dans les versions précédentes.
Donc, on obtenait le modèle numérique de terrain de Villeneuve, donc en noir et blanc ici, sur lequel on a pu appliquer code couleur de topographie. Voilà. Et ensuite, donc pour afficher la vue 3D, c'est aussi très simple. Il suffit d'aller dans le menu vue, de sélectionner la nouvelle vue cartographique. Et donc on a la nouvelle fonctionnalité. Donc, non, on doit renseigner donc d'abord quelle couche nous intéresse et l'échelle verticale. Donc un peu en fait l'amplitude de la 3D sur le résultat final. On n'a eu rien d'autre à renseigner et automatiquement en fait les données d'altitude sont prises en compte et sont modélisées sur les résultats suivants. Donc il faut quand même avoir une bonne carte graphique sur les ordinateurs parce que ça ne fonctionnait pas pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on obtenait. Et on a pu remarquer aussi un petit problème de gestion des valeurs nulles, où on obtenait une espèce de cascade de couleurs qui n'était juste pas très jolie pour la visualisation. Donc maintenant, je vais passer la main à Erwan pour le traitement des données vectorielles en 3D. Merci, Hélène. Donc nous allons reprendre les données Picor que nous avons vues précédemment dans l'axe 1. Et essayer de les visualiser justement en 3D. Donc là, c'est une simple vue classique via la cartographie en 2D des données Picor dans QGIS 3.0. Donc on remarque qu'il n'y a pas de grande différence. En fait, un des constats qui a été fait lors de l'acquisition des données Picor, les données ont été prises sous forme de points. Donc on a pour la cartographie, pour la rendu 3D, une interface un petit peu particulière qui est caractéristique de ce type de couche. Et on n'a pas la possibilité, notamment ici, d'attribuer une valeur d'épandage, donc de produit, de volume de produit épandu, pour modéliser en 3D. Ce qui va amener à la représentation suivante. En zoomant un petit peu plus, on peut s'apercevoir que notre problème a été que la représentation 3D, toutes les valeurs ont exactement la même hauteur qui va être définie par l'utilisateur. Et nous, qui souhaitions visualiser l'épandage de produits phytosanitaires lors du traitement, nous avons été bloqués. On s'est rendu compte que cette possibilité donc, d'attribuer une valeur de la table d'attributs à une couche était possible pour des couches en polygone. Donc il a fallu faire un traitement qui est similaire à celui que l'on peut faire sur QGIS 2.de, sur QGIS 2, afin de convertir cette couche de points en couche de polygone. Donc pour ça, on a d'abord dû effectuer une couche tampon afin de déterminer lorsqu'il y avait utilisation des deux rampes d'épandage ou d'une seule rampe, ou quand il n'y avait pas du tout d'épandage même. Donc on a un premier tampon ici, et au sein de ce tampon, nous avons dû, encore une fois, sélectionner, comme ce qui a été présenté dans l'axe 1, pour différencier les différents types d'utilisation, les différents cas d'utilisation lorsqu'il y avait une rampe, deux rampes ou zéro rampe, afin de pouvoir justement discriminer ces types d'utilisation. Donc on a le rendu suivant, avec l'utilisation d'une rampe, de rampe, avec les couleurs attribuées ici en légende. Mais un autre problème encore qui s'est posé, c'est qu'au sein de cette première classification, il a fallu encore aller plus en détail, plus en profondeur dans l'analyse de nos données. Et il a fallu essayer de déterminer si le volume que nous mettions sur la parcelle était en accord avec le volume théorique, ou s'il y avait un surdosage ou un sous-dosage. Donc, pour les deux cas d'utilisation de traitement de produits sanitaires, donc entre les deux rampes et les une rampe, il a fallu refaire une classification, encore une fois, en utilisant une sélection, encore une fois, par expression, comme ce qui a été présenté. C'est la même formule qui a été présentée lors de l'axe 1. Et nous obtenons donc deux cartes qui peuvent se superposer, ce sont juste les couches affichées. L'une reprenant uniquement l'utilisation de deux rampes, la pulvérisation avec deux rampes, et l'une avec une seule rampe. Voilà. Le code couleur utilisé, donc, vous allez le voir tout à l'heure, a été un petit peu changé. Et lorsque l'on essaie de représenter justement ces couches en trois dimensions, on peut voir l'apparition d'un paramètre extrusion ici, qui va en fait permettre de représenter en trois dimensions justement la valeur que l'on souhaite attribuer à la couche.
la valeur oui, qu'on souhaite attribuer à la couche. Voilà. Et on peut se rendre compte qu'on peut utiliser justement une variable de la table d'attributs pour déterminer cette valeur. Donc, c'est-à-dire que pour chaque point d'une même couche, la valeur va être susceptible de changer. C'est ce que l'on cherchait justement à obtenir. On a obtenu donc le rendu suivant. Donc on est repassé en visualisation 3D comme l'a présenté Yolaine. Et la première impression, la première observation que l'on peut faire est une visualisation classique de rendu, on va dire, en cartographie 2D. Donc, pour des problèmes de carte graphique, justement, comme l'a présenté Yolaine, on n'a pas pu faire une vidéo pour vous montrer exactement comment naviguer en 3D. Mais on a fait à la place des impressions d'écran pour vous montrer que c'est bien en 3D. Notamment, sur cette impression d'écran, justement, on peut voir la distinction entre, en vert plus foncé, l'utilisation des deux rampes, et en vert un peu plus clair, l'utilisation d'une seule rampe. Le vert représentant, bien évidemment, la dose que l'on souhaite attribuer, où il n'y a pas de surdosage ou de sous-dosage. En revanche, les données en bleu donc, représentent un sous-dosage pour l'utilisation de deux rampes de pulvérisation. Et en rouge et en rose saumon, les surdosages respectivement lorsqu'il y a une seule, lorsqu'il y a deux rampes ou une seule rampe de pulvérisation. Donc une autre vue. Un petit problème que vous avez peut-être pu percevoir à travers cette présentation, c'est que à chaque fois que l'on souhaite aller plus en détail, créer finalement, attribuer une valeur spécifique à une couche de données, il faut recréer une couche, refaire une discrimination, et notamment lorsqu'on a des données de nature de points, une couche, enfin une acquisition sous forme de points, il faut traiter nos données et effectuer de plus en plus de couches, ce qui pose également un problème de carte graphique, de surcharge et ce qui peut causer notamment certains crashs de notre PC. Voilà. Je vais passer la parole à Anne. Donc moi je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir en vidéo. Je vais demander à Alexandra de nous montrer un petit peu. On a prévu de faire une première représentation vidéo, d'abord des cylindres en 3D, mais sur un modèle numérique de terrain plat. Le but c'est de pouvoir visualiser justement la différence de niveau qu'on obtient entre les différents points sur le modèle numérique de terrain et permettre de détecter justement les endroits et de montrer au tractoriste lui-même les endroits où il a bien coupé les vannes et les endroits éventuellement où il y a des différences de pulvérisation qui ne sont pas forcément liées à l'usage par le tractoriste du pulvérisateur mais qui peuvent être liées simplement à des problèmes de réglage. Et donc on voit notamment qu'en bout de rang, on observe que finalement, systématiquement, quand on coupe les vannes, il y a un léger surdosage juste avant de faire le demi-tour. Donc c'est une approche qui est intéressante parce que finalement c'est un bon moyen pour un chef d'exploitation ou un directeur technique de montrer aussi au tractoriste, qui n'est pas du tout un professionnel de la visualisation des doses pulvérisées, quelle est la qualité de son travail et de lui permettre justement de pouvoir s'améliorer. Donc ensuite, on a choisi de pouvoir représenter la pulvérisation sur un modèle numérique de terrain qui lui-même est en 3D. Et donc on voit que le résultat est un petit peu est complètement différent, tout simplement parce qu'il y a des problèmes de gestion du modèle numérique de terrain avec la carte 3D. Finalement, on va apercevoir au bout d'un moment, une fois que j'aurai réussi à faire la mise au point, qu'on va avoir une sorte d'escalier qui va se former et les points vont être regroupés par hauteur différente et de manière relativement séparée. Donc on va pas avoir une visualisation qui va être aussi efficace pour pouvoir montrer le travail à un tractoriste. Mais on va avoir d'autres informations qui, elles, vont être très intéressantes, puisqu'on va pouvoir évaluer la qualité de la pulvérisation, notamment grâce au code couleur qui a été attribué à chaque cylindre, en fonction de la topographie du terrain. Puisqu'on se doute bien que, finalement, quand on est en descente, le tracteur, naturellement, avance plus vite,
et du coup, le débit qui est appliqué restant le même, la pulvérisation est moindre. Là, on a pu observer un petit bug aussi d'affichage de graphique, ou qui fait que quand on passe en dessous du terrain, on a des défauts d'affichage. Et enfin, on peut également visualiser l'emplacement des bâtiments. Alors, dans notre cas, nous n'avions pas la hauteur des bâtiments dans le fichier dont nous disposions, donc on n'a pas pu faire une hauteur réelle, elle a été simplement estimée. Mais c'est quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir par la suite évaluer l'impact que peut avoir la pulvérisation à proximité des habitations. Une donnée aussi également qui peut être très très intéressante à avoir, c'est la force du vent et le sens du vent pour pouvoir justement modéliser ensuite en 3D le déplacement du volume de pulvérisation qui est appliqué directement sur la vigne pour vérifier que justement il n'y a pas à ce moment-là, de d'épandage directement sur les bâtiments ou à proximité des bâtiments. On constate aussi dans cette prise de vue qu'il y a peut-être un petit défaut dans le sens où on peut afficher simultanément la visualisation de la légende en 2D et en 3D. Et du coup, quand on a un modèle numérique de terrain, comme ici, où il y a des variations de surface, on aperçoit l'ombre de la visualisation du bâtiment juste en dessous, ce qui ici n'est pas très flagrant, mais quand on a un terrain qui est extrêmement en pente, on voit carrément un gros triangle en dessous qui est pas très esthétique. Donc on peut contourner le problème simplement en supprimant la visualisation 2D et en gardant uniquement l'affichage 3D. Là, donc, je voulais vous montrer en particulier les défauts qu'on peut observer. Ici, vous constatez qu'on a une superposition des différents cylindres. Et bon, ça fait partie de petites choses qui font que finalement, c'est difficile de montrer le résultat avec un modèle numérique de terrain qui lui-même est en 3D, puisque justement, on obtient des valeurs qui ne sont pas forcément visuellement aussi pertinente que lorsqu'on a le modèle numérique de terrain qui est en 2D. Voilà, mais les perspectives du coup de la 3D pour QGIS en agronomie, en agriculture et en viticulture de précision sont particulièrement importantes. Et du coup, je pense que voilà, on est très heureux d'avoir eu la chance de pouvoir tester cette version développeur et les voies d'amélioration sont multiples. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et je laisse la parole pour la conclusion. Alors, pour conclure, vous avez pu voir que pendant notre exposé, on vous a présenté tout un panel de fonctionnalités de QGIS qu'on a pu appliquer à notre cas de viticulture de précision, qui nous ont permis de faire d'analyser nos données et de les représenter de façon intéressante sur à la fois les données de traitement phytosanitaire et les données de vigueur. Donc on a utilisé pas mal de fonctionnalités qui sont déjà présentes dans la version 2.18, telles que les règles de style, les couches virtuelles, le plugin Time Manager, etc. Et aussi on a eu la chance de pouvoir tester le module 3D de la version 3.0, et on a vu que ça pouvait être aussi très intéressant en termes de représentation. Et donc les autres fonctionnalités qui vont venir avec la version 3.0 qui vous ont été présentées ce matin vont sûrement pouvoir apporter encore d'autres fonctionnalités, d'autres usages pour la viticulture de précision et qu'on pourra exploiter par la suite. Donc voilà, ça conclut notre présentation et maintenant je vous remercie pour votre attention et on écoute vos questions. Bravo à tous et merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, alors, Nina. Bonjour, Vincent Duloup, cartographien en agriculture. J'aurais aimé savoir quelle était la source des données des parcelles sur lesquelles vous avez travaillé. Éventuellement, si vous connaissez les capteurs ou le système GPS qui a été utilisé sur le système Picor, et le temps que vous avez éventuellement passé à travailler sur votre modèle 3D, enfin, sachant que il y a aussi une phase d'apprentissage de l'outil, j'imagine, mais pour avoir une idée quand même.
Alors, pour la partie 3D, on a eu 3 jours, je vais répondre pour cette partie. On a eu 3 jours, en fait, d'expérimentation de l'utilisation complète de QGIS. Et la première journée a été vraiment utilisée pour la découverte de toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment de l'aspect 3D, du rendu 3D. Et au final, on a passé 2 jours, une journée et demie, 2 jours, sur l'élaboration du modèle 3D avec nos données Picor. Sachant que ce qui prenait probablement le plus de temps, c'était la création de toutes les couches, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de classification directe, comme l'est normalement possible en fait en 2D. Et c'est vraiment ce qui a dû prendre bien au moins une demi-journée, je pense, pour bien faire ça. Voilà. Et pour la suite, Après, pour les autres questions, je peux pas vraiment vous répondre parce que les données des parcelles, elles nous ont été fournies par le MAS numérique. D'ailleurs, les données Picor aussi. Donc, pour la façon et les détails d'obtention, moi, je peux pas répondre exactement. Je vais laisser Léo répondre, peut-être. Et je vais moi-même passer la parole à Bruno, qui va nous donner les éléments pour répondre. Alors, sur le contour des parcelles, je pense que on est sur le domaine du chapitre, donc c'est le domaine de l'école. Je pense qu'il y a une succession, de projets. Je pense qu'il doit y avoir du GPS différentiel, clairement, sur le contour des parcelles, qui a été remanié avec, sur la base, en fait, d'images aériennes. Donc, on a refait des contours, on a refait des découpages pour améliorer, en fait, la précision du parcellaire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs origines. En tous les cas, aujourd'hui, tous les contours sont stockés dans le système d'information de l'exploitation, en l'occurrence, c'est Agréo de SMAG, avec la possibilité d'exporter, en fait, ces contours en shapefile pour pouvoir les utiliser comme ça, hein, sur des projets plus ambitieux qu'on va faire tourner sous QGIS ou autre. Voilà. Et pour répondre à la question, je crois que c'était lequel GPS, c'est ça, hein, sur Picor, c'est un GPS différentiel qui est utilisé. Pardon ? Oui. Avec oui, c'est Agnos. Oui. Vous pensez à partager le nombre des parcelles sur OpenStreetMap pour que tout le monde puisse les récupérer ? Je répète la question juste parce que c'est enregistré. La question, c'est est-ce qu'on les étudiants ont pensé à enregistrer les contours des parcelles pour mettre sur OpenStreetMap ? Je pense que c'est une question qui est difficile pour les étudiants. Ça faisait pas partie de leur exercice pédagogique. Par contre, je pense que c'est intéressant de poser cette question sur est-ce qu'on peut utiliser les données qui sont générées dans le cadre du MAS numérique et contribuer à la communauté. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait à l'heure actuelle, mais qui est en réflexion de notre côté. Oui. Bonjour, Timothée Collat de Frition Science. Je voulais savoir si sur le cadre d'utilisation de 3D, vous avez un retour d'utilisateur, enfin de client final, de viticulteurs, de vignerons qui pourraient utiliser ces données. Alors notre module s'est étalé uniquement sur 3 jours. On s'est vraiment concentré sur l'utilisation et le rendu de nos 3D, de nos données plutôt en 3D. On n'a pas vraiment contacté, essayé de chercher d'autres informations, notamment sur le contact des viticulteurs futurs. Peut-être pour compléter la question, vous pouvez nous faire votre retour vous d'utilisateur de ce rendu 3D. J'ai notamment sur la partie manipulation et navigation en 3D, on a vu que j'ai eu l'impression que vous aviez eu quelques difficultés à vous déplacer, à vous zoomer, vous passer en dessous de la couche, vous revenez. Est-ce que c'est facile? Enfin voilà, quel est votre retour utilisateur là-dessus? Effectivement, je pense que Anne va être plus à même de répondre. En tant qu'utilisatrice, alors globalement, le premier jour, je l'ai passé à faire crasher QGIS. Voilà, soyons clairs. Hein. En fait, tout simplement parce que le driver de la carte graphique n'était pas à jour. À partir du moment où j'ai remis à jour ce driver, du coup, ça a fonctionné correctement. Par contre, effectivement, il faut comme on l'a déjà indiqué, une carte graphique très puissante pour pouvoir gérer ça. Et après, y a une question d'habitude, parce que forcément, moi, les logiciels de 3D, c'est quelque chose que je manipule pas de manière régulière. Donc, c'était une première. Et du coup, j'ai dû m'entraîner de nombreuses fois pour pouvoir essayer de faire une vidéo à peu près fluide. C'était mieux qu'au départ. Mais je pense que la navigation est relativement simple. Il faut savoir aussi que finalement, c'est du rendu en temps réel. Et que donc, du coup, il n'y a pas de pré-calcul de la carte qui s'affiche en fonction du point de vue qu'on aurait pu programmer. Et du coup, ça rend la navigation, j'ai envie de dire, le rendu final est beaucoup plus amateur.
L'intérêt, par contre, c'est qu'on a un résultat obtenu très rapidement au niveau de la visualisation, sans devoir passer des minutes ou des heures de calcul pour obtenir un rendu final. Voilà. Donc, globalement, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à prendre en main, qui demande un petit peu d'habitude. On a manqué de temps pour ça. Mais moi, je recommande quand même de pouvoir se lancer là-dedans. Régis ? Juste pour quel contexte de QGIS 3D, imaginez bien que c'est une initiative qui est sortie il y a 3-4 mois, financée 10 000 euros par QGIS.org, pour faire le début de l'affichage. Donc imaginez pas que c'est un truc prêt en prod et qui a eu 3 ans de travail. Donc c'est un tout petit budget et nous on est convaincus, on a déjà beaucoup de demandes de financement lourd pour en faire un vrai outil de visualisation 3D. On est en train de discuter sur les listes. Il y a aussi des grosses discussions sur l'utilisabilité, l'ergonomie, les outils de navigation. Et c'est en ce moment que ça se discute. Donc venez sur les mailing lists et dites-nous ah non, c'est trop rapide, il n'y a rien pour changer la hauteur du point de vue. Quand je suis planqué en dessous du terrain, comment je fais pour en sortir? C'est le moment, c'est maintenant. Les tickets sont ouverts depuis une semaine. Les discussions sont en route. Oui, Jean-Pierre Duloup, cartographie en agriculture. Je voudrais amener quelques précisions sur l'utilisation qu'on peut faire, la visualisation de la pulvérisation, parce qu'il se trouve que, par ailleurs, je me suis occupé de contrôle de pulvérisateur pendant presque 10 ans. L'appareil qui a été mis en œuvre, c'est un appareil avec 2 tronçons, gauche-droite, et sur chacun des tronçons, il y a 4 ensembles qui permettent de traiter les 2 faces de deux rangs. Donc en fait, la qualité de la pulvérisation, donc là il y a un débitmètre sur chacun des tronçons, gauche-droite, donc il y a une information globale sur ce qui se passe à droite et à gauche, mais en réalité la qualité de la pulvérisation, c'est ce qui se passe sur chacune des faces du pulvérisateur, hein, de la vigne, et donc sur chacun des sous-ensembles qui traitent une et la deuxième phase du rang de vigne, d'accord ? Et en fait, le contrôle du pulvérisateur et le contrôle de l'homogénéité de la pulvérisation, c'est le débit qu'on va aller mesurer sur chacune des pastilles, des 3 ou 4 pastilles qu'il y a sur chaque élément sous-ensemble qui pulvérise sur une face. Donc, je reviens à la visualisation que vous avez faite, hein, c'est-à-dire ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche de l'appareil. Mais en réalité, l'appréciation de la pulvérisation, la qualité de la pulvérisation, c'est ce qui se passe au niveau de chacun des 8 sous-ensembles qui permettent de pulvériser. Et là, c'est autrement plus compliqué. Ceci dit, vous avez évoqué tout à l'heure le retour utilisateur ou ce qu'on pouvait montrer à partir de cette vidéo à un tractoriste. Le début du début, il se situe donc pas tout à fait là, parce qu'en fait, c'est la qualité de l'entretien du pulvérisateur, sa conformité qui va être vérifiée au cours du contrôle technique, et qui n'appartient en généralement pas aux tractoristes. Hein, donc, vous avez fait une visualisation qui est super intéressante parce qu'elle donne une vision d'ensemble, mais en réalité, sur le terrain et au niveau du chef d'exploitation ou du contremaître ou du responsable de la production, le chemin pour arriver à améliorer la pulvérisation et la mise en œuvre par le tractoriste, il est encore très loin. Voilà. Mais... Merci Jean-Pierre pour ces compléments. Je pense qu'on pourra aussi en discuter peut-être à midi, parce que là on sort un peu peut-être de QGIS à proprement parler. Voilà, c'est intéressant. Comme la question du retour utilisateur a été... Voilà. Merci. Oui, une autre question là-haut. Oui, est-ce qu'on peut imaginer un export de la 3D pour des logiciels 3D comme Blender ou autre? Alors, encore une fois, nous, notre utilisation de QGIS 3D a été vraiment très limitée. Donc, peut-être que cette question, elle est dirigée vers les étudiants, mais il y a peut-être aussi des personnes dans la salle qui ont des éléments de réponse pour compléter là-dessus. Je vois des mines dubitatives. Est-ce qu'il faut comprendre que la réponse est non? Non, il y a un complément là-haut. Bonjour, François Guédon, CDC Val de Saint-Onge. Sur la version 3, je vais pouvoir répondre, mais sur la 2.18, avec le plugin QGIS ou FreeJS, on peut faire des exports en format Colada. Donc on peut les importer dans du SketchUp, du Blender, des choses comme ça. C'est un peu du bricolage, mais c'est déjà c'est la seule chose, façon que je connais d'exporter de la 3D de QGIS vers des logiciels de modélisation. Donc ouais, c'est possible. Je crois qu'il y a un complément également là-bas.
Il y a aussi Cloud Compare qui est capable d'ouvrir les shapes et un peu tout, toutes les données, puisqu'il est basé maintenant avec GEDAL. Donc, pardon, j'ai pas entendu. Il y a Cloud Compare, un logiciel d'édition de nuages de points et de maillage pour surtout ce qui est laser scanner, qui peut ouvrir des shapes et d'autres choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment de l'export en tant que tel, mais si vous sauvegardez vos shapes de QGIS sur lesquels vous avez travaillé, vous pouvez les ouvrir après avec des logiciels d'édition 3D. Merci. Oui, moi c'était juste pour revenir sur les données raster multitemporelles. Et donc apparemment il y avait une nécessité d'interpolation de vos données. Et donc juste un petit peu reparler de. Bon, je pensais qu'on pouvait les utiliser telles quelles. Enfin... Alors en fait, si on a interpolé, c'est que les données étaient vraiment différentes. Et du coup, le rendu vidéo était trop saccadé. On n'arrivait pas à se rendre compte vraiment de l'évolution. Du coup, c'est pour ça qu'on a donc fait l'interpolation, ce qui nous permet d'avoir une série temporelle en fait plus fine, et ensuite le rendu plus fluide. Voilà. Pour... Peut-être, oui. Julien, juste pour, ouais. Pour préciser, l'interpolation que vous avez faite, ouais. C'est une interpolation dans le temps. Oui, une interpolation dans le temps. Dans l'espace. Dans le temps et de manière linéaire. Donc, c'est pas forcément la meilleure chose pour les données NDVI, mais par souci de rapidité, bon, c'est ce qu'on a utilisé puisque c'est simple à coder. Du coup, pour complément, en fait, là c'est une série temporelle qu'on a utilisée dans le cadre d'un stage l'année dernière, où seul le satellite Sentinel 2A était opérationnel. Et sur certaines périodes, on avait parfois, en fonction du couvert nuageux, etc., plus de 3 semaines entre chaque acquisition. Alors que sur la période estivale, on a eu des acquisitions qui répondaient aux spécifications du satellite, c'est-à-dire tous les 10 jours. Donc là, c'était vraiment pour essayer de modéliser. Alors, c'est vraiment basique. Hein. Là, c'est quelque chose juste pour générer une image supplémentaire et avoir un effet visuel un petit peu plus lisse. Ça ressemble un peu à du morphing. On n'est pas du tout dans une approche modèle de télédétection avec respect des éléments de réflectance, etc. C'est vraiment juste pour un affichage visuel. J'ai vu qu'il y a certains d'entre vous dans la salle qui ont réagi à un moment dans une petite séquence où on voyait... une intensité de verre qui bougeait le long de la parcelle centrale. Donc là, je crois, mais bon, j'en suis pas certain, mais que c'est une parcelle expérimentale de l'INRA où il y a que quelques rangs de certaines variétés de vignes qui sont cultivées. Et on voit bien que là, à l'échelle de 1 ou 2 mois, grâce à des données sentinelles, avec une donnée acquise tous les 10 jours, on est déjà en capacité de voir les différences de développement des différentes variétés présentes sur ces parcelles. Donc ça présume quand même de potentialités de ce capteur qui sont vraiment intéressantes pour l'avenir. Je rebondis là-dessus pour une question. Justement, il y a des potentialités avec les images sentinelles qui sont gratuites, libres, à haute fréquence, etc. Je sais qu'il y a des personnes d'un salle qui travaillent dessus, mais qu'est-ce qui est prévu, notamment je sais pas, avec la 3.0, pour faciliter l'import de données sentinelles en ligne, etc. Là, je sais que les étudiants, ils ont travaillé sur des images qu'on leur a fournies. Est-ce que plus tard, il y a moyen d'avoir... Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est un message passé. René-Luc, tu veux répondre ? Apparemment, il y a un plugin qui a été publié pour faciliter l'accès aux données Sentinel. Il suffit d'avoir un login et un mot de passe sur les plateformes et on peut accéder à l'ensemble des données produites par les satellites Sentinel. Et je crois qu'il y a même des pré-traitements intégrés. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, j'ai juste vu ça. Alors il y a effectivement un plugin mais qui est pour l'instant disponible sur la version 2.18 qu'on a utilisé cette année dans un module d'initiation à la télédétection avec les étudiants agrotiques et qui est donc développé par un utilisateur. Alors j'ai plus son nom exact en tête, c'est vous tapez classification dans les extensions, là ça vous sort quelque chose assez rapidement. Pardon ? Exactement. Voilà, donc qui est vraiment très bien découpé, très pédagogique, puisqu'on a un prémodule d'import de plusieurs portails de données satellitaires issues de programmes de mise à disposition gratuite d'images, Sentinel, mais aussi des données Aster, des données Landsat, etc. Tout un ensemble de pré-traitements, et il y a une suite logique des onglets par rapport à ce qui est attendu pour des traitements de données télédétection, beaucoup de ressources en ligne, vidéos, etc. Alors des puristes de la télédétection pourraient être un peu gênés sur le traitement du signal, etc. Mais pour des étudiants, pour une initiation
assez courte à la télédétection, ça permet vraiment de faire des choses intéressantes avec déjà l'intégration de l'import de données avec des moteurs de recherche cartographiques, etc., sous réserve effectivement d'avoir créé vos logins sur des plateformes comme TIA ou sur les plateformes USGS pour récupérer les données plutôt issues des programmes américains. Mais je vous encourage à aller voir, c'est vraiment bien. Il y a plein de petites vidéos qui permettent à n'importe qui de comprendre comment ça fonctionne et de se lancer dans la télédétection. Merci Nicolas, merci à vous, bravo. Et juste avant qu'on aille manger, j'ai un certain nombre de petits messages à vous faire passer. Le premier d'entre eux, c'est que nos étudiants, qui sont des étudiants en agrotique, en data science, mais aussi des étudiants qui sont en deuxième année de cursus ingénieur agronome, sont formés sur les outils QGIS, je pense que vous avez pu le voir ce matin, et sont, en fonction des périodes de l'année, en recherche de stages et, voilà, et d'opportunités professionnelles. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous si vous êtes intéressé par ce type de profil. Deuxième point, ceux d'entre vous qui ont besoin d'une attestation de présence ou de paiement, vous pouvez aller le récupérer à l'accueil en sortant. Donc on va ressortir par là, et à gauche, il y aura le buffet, il faut sortir dehors et aller dans le bâtiment d'en face. Et à droite, vous pourrez récupérer les attestations de paiement. Et simplement, je voulais vous dire que le traiteur qui nous accueille aujourd'hui, donc j'ai oublié le nom, qui s'appelle les Prairies Mimosa, donc c'est des produits bio et locaux, qui nous accueille aujourd'hui pour le repas de midi. Et rendez-vous à 14h ici pour l'après-midi. C'est dans la salle en face, le repas. Vous sortez par là et à gauche.